désirais le voir, contempler sa face et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rues de gloire, élever ma voix. Les soucis sont passés aux joies éternelles. Je désirais le voir, contempler sa face et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rues de gloire, élever ma voix. Les soucis sont passés aux joies éternelles. Voyageant dans le pays, chantant en marchant, vidant les âmes au calvaire, au faux cramoisi. Mon âme percée par les flèches dedans et dehors, mon sauveur me conduit, par lui je vaincrai. Je désirais le voir, contempler sa face et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rues de gloire, élever ma voix. Les soucis sont passés aux joies éternelles. Au service de mon Seigneur, même dans la nuit sombre, je m'accrocherai à lui, il va m'éclairer. Et les pièges de Satan peuvent troubler mon âme, mais mon sauveur prend la direction de tout. Je désirais le voir, contempler sa face et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rues de gloire, élever ma voix. Les soucis sont passés aux joies éternelles. Du fin fond de la vallée, je regarde en haut. Je contemple mon sauveur dirigeant la guerre. Il me prend de la vallée par sa tendre main. Me guidant, je peux voir marchant en avant. Je désirais le voir, contempler sa face et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rues de gloire, élever ma voix. Les soucis sont passés aux joies éternelles. Quand devant moi les flots montent du fond de l'abîme, mon sauveur dirige la barque, il prend soin de moi. Il me conduit tendrement à travers ce monde. Oh, il est mon ami et je l'aime tant. Je désirais le voir, contempler sa face et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rues de gloire, élever ma voix. Les soucis sont passés aux joies éternelles. Je désirais le voir, contempler sa face et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rues de gloire, élever ma voix. Les soucis sont passés aux joies éternelles. Je désirais le voir, contempler sa face et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rues de gloire, élever ma voix. Les soucis sont passés aux joies éternelles. Amen. Quel jour ce sera? Gloire au Seigneur. Amen. Vous savez, Frère Branham a dit, vous étiez dans le péché, vous aviez l'habitude de taper les mains, vous agissiez bizarrement, vous alliez au jeu de ballon, mais quand vous êtes dans l'église, vous chantez, gloire, alléluia, gloire au Seigneur. Je désirais le voir, contempler sa face et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rues de gloire, élever ma voix.
les soucis sont passés aux joies éternelles. Je désirais le voir contempler sa face et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rues de gloire, élever ma voix. Les soucis sont passés aux joies éternelles. Acclamez une fois de plus pour lui. Je crois vraiment qu'il aime ceci. Je désirais le voir contempler sa face et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rues de gloire, élever ma voix. Les soucis sont passés aux joies éternelles. Est-ce que vous l'aimez? À quel point? Oh, amen. Gloire au Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Amen. Gloire au Seigneur. Amen, frère Joe. Nous sommes heureux d'être dans la maison du Seigneur ce soir. Avez-vous apprécié la vision de Patmos? Oh là là! Les wagons sont bien tassés. Il n'y a rien de desserré là-dedans. Il n'y a rien qui bouge là-dedans. Le Saint-Esprit est descendu et a mis son sceau dessus. Et il dit, ne le touchez pas, n'y entrez pas. Il est scellé jusqu'au jour de votre rédemption. Satan ne peut pas y entrer. Il peut y faire trembler la porte. Il fait ça beaucoup de fois. Il essaie de la secouer et d'y entrer. Mais il n'y a rien de desserré là-dedans. C'est bien tassé. Amen. Il a dit qu'il s'assure que c'est bon et bien tassé. Alors, il met le sceau du Saint-Esprit en vous. Puis, il dit, alors, vous pouvez être positionné. Alors, nous allons de l'avant. C'est ce vers quoi nous nous dirigeons maintenant. Et puis, il dit que vous pouvez voir une fois que cela arrive à l'épouse de Jésus-Christ. Il dit que c'est alors que vous pouvez voir par élection que vos noms ont été mis sur le livre de vie. Parce que cela nous rappelle encore une fois que c'était avant la fondation du monde qu'il a mis votre nom là-dedans. Il dit, est-ce que c'est arrivé l'autre jour? J'ai donné mon cœur au Seigneur l'autre jour. Il vous connaissait, il savait ce que vous feriez avant même qu'il y ait un monde. Combien c'est merveilleux pour l'épouse de Jésus-Christ de le savoir. Gloire au Seigneur. Êtes-vous venu préparer ce soir? Vous savez combien il est important de venir en étant préparé? Je vais vous donner un petit exemple. Combien d'entre vous ont déjà fait du camping? Vous êtes parti pour aller camper, vous avez pris la famille et êtes parti camper. Mon ami, vous appelez la famille, vous vous réunissez, vous dites, les amis, voulez-vous aller camper? Et ils disent, oh ouais, oh, ce serait super, papa, allons-y. Les amis, alors, ce week-end, nous allons partir et aller faire du camping. Vous êtes occupé pendant la semaine, mon ami, phew, Vous partez, puis arrive le week-end, vous arrivez à la maison, vous mettez tout dans la voiture en vitesse. Vous partez, vous vous rendez au lieu du camping. Mon ami, vous commencez à décharger et tout, vous êtes excité, puis, oups, on a oublié la tente. Avez-vous déjà fait ça? C'est comme, oh mon Dieu, quelle catastrophe! Nous avons oublié la tente, nous étions tout excités, on a tout embarqué, on a les sacs de couchage et tout, on a oublié la tente! Eh bien, ce n'est pas grave, on sera juste dehors à la belle étoile, on va contempler les étoiles ce soir, ce sera magnifique. Devinez quoi? Il va pleuvoir! Ça ne va pas bien. Mais si vous aviez été préparé, si vous aviez vérifié et fait une liste de ce que vous deviez apporter pour être prêt quand vous irez camper, vous auriez cette tente à l'intérieur. Vous auriez eu votre sac de couchage à l'intérieur. Vous auriez eu votre matelas, votre nourriture, votre eau, tout ce que vous aviez besoin pour ce voyage de camping. Parce que vous voulez que ce soit un bon moment, un voyage réussi quand vous partirez. Vous ne voulez rien oublier. Et vous ne vous précipitez pas pour le faire. Vous vous préparez, vous y
réfléchissez, vous vous préparez à le faire. C'est la même chose que ce que nous devons faire quand nous entrons dans ce bâtiment. Toujours devant le Seigneur, il faut toujours se préparer. Je sais que nous en avons parlé tout le temps, mais vous savez à quel point c'est important? Laissez-moi vous dire à quel point c'est important. Permettez-moi de vous lire quelque chose tiré du livre de l'âge de l'Église d'Éphèse. Si vous l'avez lu, combien sont en train de lire le livre des âges de l'Église en même temps? Gloire au Seigneur. Si vous n'avez pas levé la main, faites-le. Commencez à le lire en même temps. C'est vraiment formidable. Frère Branham a dit, il dit, comme cette étude allait être l'étude la plus sérieuse que j'ai jamais entreprise jusqu'à présent, j'ai cherché Dieu pendant des jours pour qu'il m'accorde l'inspiration du Saint-Esprit. Ce n'est qu'ensuite que j'ai lu les passages de l'Écriture qui traitent des âges de l'Église. Le prophète de Dieu a dit qu'il a cherché Dieu plusieurs jours avant même d'ouvrir sa Bible pour lire les Écritures. Le prophète de Dieu, il s'est préparé. Il s'est refugié sous l'onction du Saint-Esprit, il a dit, afin que le Seigneur puisse lui apporter la parole. Et c'est pareil pour chacun de nous. Mais vous savez ce qui est merveilleux? Nous avons aussi un rôle à jouer. Dans la grande économie de Dieu, il nous a même permis d'en faire partie. Faire partie de ceci, c'est faire partie des âges de l'Église. Nous savons que c'est la révélation de Jésus-Christ. Mais écoutez ce que Frère Branham a dit ici. Comment nous pouvons en faire partie? Il dit, « Eh oh, que Dieu nous aide alors que nous enseignons ces paroles. J'en ai étudié l'aspect historique, mais j'attends d'être ici à la chair pour avoir l'inspiration. En effet, je pense que nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ et que votre esprit, votre portion, la langue de feu, le Saint-Esprit qui est sur vous va sur un autre, puis sur un autre, puis sur un autre. Il embrase le grand corps de Dieu et l'enflamme. Nous avons une portion. Nous avons une portion. Gloire au Seigneur. Oui, vous devriez être heureux d'en faire partie. Il nous a permis d'en faire partie. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur, pouvez vous asseoir. Or, comme c'est important que quand nous venons, c'est que notre esprit affectait le prophète même de Dieu lorsqu'il apportait le message. Il nous donne donc l'occasion de venir ici. Cela me fait penser à combien je suis fier de chacun de vous en voyant cela et nous en parlions, frère Samuel et moi. Excusez-moi, c'est comment vous venez tôt. Ce n'est pas 5 minutes pour se précipiter ici, ça ne peut pas toujours. Il y a toujours des choses pour vous empêcher d'avancer, mais vous devez venir, vous devez vous préparer, il faut être prêt. Débarrassez-vous de toutes les choses du monde, de toutes les distractions, de toutes les choses. Calmez-vous, lisez votre Bible, commencez à prier afin d'être prêt. Lorsque cette parole sera apportée, vous serez prêt. Vous serez sous cette onction. Je suis donc fier et reconnaissant. Je suis reconnaissant que vous ne soyez pas obligé de rester debout pendant des heures comme vous l'étiez il y a quelques mois. Mais que vous soyez là, debout, que vous entriez et que vous vous asseyez, que vous soyez révérencieux et que vous soyez ici, je suis très fier de chacun de vous. En cela, je vois que la parole vit en vous. Je vois la différence en vous. C'est vrai, Christ unissant l'épouse ensemble et ayant cet esprit que ce prophète de Dieu a dit que nous devons avoir. Il a dit que plus que tout, il s'agit de s'aimer les uns les autres. Peu importe ce qu'il y a, il faut s'aimer les uns les autres. C'est facile d'aimer les gens qui vous aiment. Il s'agit d'aimer les gens qui ne vous aiment pas. Est-ce que vous avez cela dans votre cœur ce soir? Amen. Gloire au nom du Seigneur. Ensuite, il nous enseigne cette grande révélation et ce que nous avons vu, nous sommes entrés dans le sabbat. Il dit que c'est le repos et nous sommes au repos. Il dit que lorsque le Saint-Esprit entre dans nos vies, nous sommes au repos. Nous nous débarrassons des choses du monde. Tout est fini. Nous avons terminé. Il dit que le monde cherche toujours le sabbat. Un certain jour où qu'il faut faire ceci ou cela, mais pas un enfant de Dieu. Vous êtes entré dans ce repos. Vous savez qui vous êtes et vous avez la paix. Une paix merveilleuse. Et par la grâce de Dieu, il nous l'a donnée.
Donc, d'après cela, qu'est-ce que Frère Branham a dit? La dernière chose qu'il nous a dit avant de quitter l'autre soir, il a dit, je pense que vous êtes prêts pour les âges de l'Église. Amen. Et si vous êtes prêts pour les âges de l'Église, amen. Levons-nous. Nous allons prier. Comme c'est merveilleux, le Seigneur Jésus, de pouvoir venir à lui et de l'adorer. D'être capable de venir et d'entendre cette parole. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Un jour viendra où nous ne pourrons plus faire ceci. Nous ne savons pas quand ça arrivera, mais la parole a été prononcée. Il faut qu'elle s'accomplisse. Ça va se produire. C'est là que cette parole est vivante en nous. Vivante, des épîtres lues de tous les hommes. Ce message, cette parole vivante dans cette épouse. Et combien c'est glorieux. Nous avons de nombreuses requêtes qui nous sont parvenues ce soir. Nous avons notre sœur Elise Johnson, elle ne se sent pas bien. Nous avons sœur Kimberly Gasper, elle est très malade. Notre frère Larry Parker ne se sent pas bien du tout. Il a peut-être eu une crise cardiaque ou une légère crise cardiaque. Or, souvenez-vous de lui. Notre sœur Nadine Wirtz en Arizona, beaucoup d'entre vous la connaissent, elle a eu une infection très grave au genou. Notre frère George Jara est notre distributeur au Paraguay. Il a été piqué par des moustiques. Je n'avais jamais entendu parler de cette maladie appelée LIKA. L-I-K-A. Je pense qu'elle est causée par une piqûre de moustique. C'est très... On ne peut pas s'en débarrasser une fois qu'on a contracté la maladie. On veut certainement se souvenir de ça. J'ai appris juste avant de venir ici que notre frère Mike et notre sœur Wanda Collins, le fils et la belle-fille de notre frère et de notre sœur Collins en Louisiane, leur maison a été inondée. Beaucoup d'entre vous ont vu que la pluie tombait et ils se précipitaient chez lui pour chercher sa femme. Alors qu'ils avaient déjà évacué, la maison était inondée presque jusqu'à sa taille. Tout a été détruit. Ils n'ont eu que quelques minutes pour récupérer quelques objets et sortir de la maison. Nous voulons donc nous souvenir d'eux. Il y a peut-être beaucoup d'autres croyants dans cette région qui ont été touchés par ceci. Et nous voulons toujours nous souvenir, continuer à nous souvenir de la famille de frère Steve Cook. Mais nous avons tous des besoins. Le Père connaît chacun d'eux. Aussi comme nous inclinons la tête, nous pensons simplement à lui. C'est ce à quoi nous voulons penser, penser à lui. Et c'est ce qui amène sa présence parmi nous. C'est une illustration un peu simple pour parler de la préparation du camp. Seigneur, nous voulons être prêts pour toi. C'est le désir de notre cœur, Seigneur. Bien plus que d'aller faire du camping ou d'aller dans des endroits où nous sommes parfois si enthousiastes à ce sujet. Mais Seigneur, nous nous rassemblons pour écouter ta parole. C'est ainsi que je veux être. J'ai si hâte de franchir les portes pour voir mes frères et sœurs, être en communion avec eux, parce que je vais passer l'éternité avec eux. Le temps ne signifiera rien. Ceux qui nous ont précédés, nous allons les rencontrer là-bas. Quel temps glorieux ce sera, comme c'est merveilleux. Nous avons tous des êtres chers qui sont partis. Je prie qu'ils puissent regarder au-delà du rideau du temps ce soir et qu'ils sachent que nous voulons aussi être avec eux. Et comme c'est formidable, ces requêtes que nous avons, c'est un groupe de croyants qui confessent dans son cœur qu'en ce moment, Père, nous ne regardons pas à nos capacités et à nos pensées, à qui nous sommes, à ce que nous sommes, nous regardons au calvaire. Et nous croyons que nous sommes la semence royale d'Abraham, que nous avons été prédestinés et que tu nous as choisis avant la fondation du monde. Bien que nous n'en soyons pas dignes, c'est quand même à nous, Père, et c'est ce que nous regardons. Maintenant, je veux que vous gardiez cela dans votre cœur en y croyant. Lorsque nous présenterons ces requêtes au Seigneur ce soir dans la prière, et que chacune qui a été écrite, que j'ai lue ce soir, celle que vous avez sur votre cœur, que le Père répondra à chacune d'entre elles.
Il en est plus que capable. Nous le croyons, Seigneur. Nous prions pour ces requêtes alors que nous sommes rassemblés en tant que ton épouse et te présentant ces requêtes. Ce qui est dans notre cœur et ce qui a été lu, et nous savons que tu vas exaucer cette prière. Le croyez-vous? Levez la main et dites, Seigneur, je le crois. De tout mon cœur, tu vas répondre à ces prières. Chantons simplement notre petit chant pour lui et tendant la main pour le toucher alors qu'il passe. Avance et touche le Seigneur comme il passe ici. Il n'est pas trop occupé pour entendre ton cri. Il passe dès ce moment comblé ton besoin. Avance et touche le Seigneur comme il passe ici. Précieux Père Céleste, véritablement, nous pouvons sentir ta présence en dedans et au dehors parmi nous, Seigneur. Comme nous sommes indignes, Seigneur, tu es venu et tu nous as visités. Seigneur, en ce temps et dans la façon dont le monde est, mais tu nous as mis à part et tu as révélé cette parole, Seigneur, pour laquelle nous pourrions nous rassembler. Merci de nous avoir choisis, de nous avoir appelés et d'avoir ouvert nos yeux, Seigneur, au sujet de cette parole. Père, nous t'aimons de tout notre cœur. Nous voulons te dire avec nos lèvres et du plus profond de notre cœur que nous t'aimons. Nous te remercions, Seigneur, pour ta miséricorde et ta grâce, Seigneur. Père, alors que nous nous sommes rassemblés encore une fois, c'est un tel honneur que je ne veux pas prendre pour acquis, jamais, Père, que nous soyons encore rassemblés une fois de plus. Père, comme la citation que frère Joseph a lue au sujet d'amener sa portion de feu, Père, que notre foi soit unie, que nos vies entières soient unies sous la puissance de ton Saint-Esprit. Seigneur, entends chacune des requêtes, Seigneur, des choses pour lesquelles nous ne pouvons rien faire, Seigneur, mais tu peux. Tu sais chaque main qui a été levée, chaque requête qui a été exprimée, Seigneur. Je prie pour que tu répondes à chacune d'entre elles, que tu exauces chacune d'entre elles, peu importe ce que c'est, Père. Nous savons que tu vas nous aider. Tu sais ce qui est mieux. Nous demandons ta volonté parfaite dans nos vies, Seigneur. Seigneur, nous te remercions simplement de nous avoir donné de nouveau cette opportunité de creuser, Seigneur, plus profondément dans cette parole que tu as prédestinée pour que nous entendions. Seigneur, il n'y a pas de moment plus glorieux sur la terre que celui dans lequel nous vivons maintenant même, Seigneur. Père, ouins simplement nos oreilles. Père, Seigneur, prépare l'âme dans nos cœurs, Seigneur, afin que cette parole puisse descendre, Seigneur, et s'ancrer. Seigneur, afin que nous grandissions pour être plus comme toi. Nous t'aimons et nous t'apprécions. Nous t'invitons simplement à venir pour le reste de ce service, alors que nous chantons, nous t'adorons. Seigneur, que tu sois satisfait. Nous demandons ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Avance et touche le Seigneur comme il passe ici. Il n'est pas trop occupé pour entendre ton cri. Il passe dès ce moment. Avance et touche le Seigneur comme il passe ici. Comme Jésus est
Je demande qu'à être comme lui. Durant mon voyage de la terre au ciel, je ne demande qu'à être comme lui. Être comme Jésus. Être comme Jésus. Je ne demande qu'à être comme lui. Durant mon voyage de la terre au ciel, je ne demande qu'à être comme lui. Alors que nous courbons la tête, fredonnant cela doucement, véritablement, c'est le désir de notre cœur, être comme lui, être comme toi, Père. Durant ce voyage de la terre au ciel, je demande d'être comme lui, Père. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Fredonnant cela une fois de plus. Merci, Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Il n'y a rien de comparable à la présence du Seigneur Jésus. Sentez-vous cette douce présence du Saint-Esprit avec vous maintenant? Êtes-vous prêt à écouter la parole? Nos cœurs sont ouverts. Nous l'avons adoré, nous l'avons invité. Nous savons qu'il est ici. Le sentez-vous à côté de vous maintenant même? Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Seigneur, descends et ouvre nos cœurs, Seigneur, pour écouter ta parole. Que toute distraction soit ôtée. Seigneur, laisse que cette parole descende profondément dans mon âme. Donne-moi plus de révélation de ta parole ce soir, Seigneur Jésus, alors que nous accueillons ton prophète à la chair. Chantons notre hymne national. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
C'est un privilège pour moi de nouveau d'inviter à la chaire ce soir notre prophète. Combien d'entre vous sont contents pour la nourriture emmagasinée? Amen. Donnons-lui une bonne main d'applaudissement. Je sais que vous êtes prêts pour les âges de l'Église parce qu'il l'a dit. S'il l'a dit, cela doit s'accomplir. Nous sommes donc prêts. Nous allons entendre l'âge de l'Église d'Éphèse ce soir, qui a été prononcé par Dieu, écrit par Jean et révélé pour vous. Amen. Nous accueillons notre pasteur et prophète, frère Branham.
Que le Seigneur vous bénisse. Quelqu'un ici est-il le conducteur d'une Dodge neuve immatriculée WX2129, garée là-bas de l'autre côté de la rue. Il a laissé ses lumières, ses phares et tout allumé. Et si le conducteur de cette voiture est ici, eh bien, sortez et allez éteindre vos phares. Elle est du côté gauche de la rue, juste là, sur la 8e rue. Je pense que c'est un numéro d'immatriculation de New Albany, WX2129. Une Dodge rouge, une Dodge neuve. C'est au moins une 1959 ou 1960, ou quelque part par là. Je ne savais pas s'il appartenait à quelqu'un d'ici ou à quelqu'un qui venait de... d'ailleurs. Très bien, c'était le cas. Ça tombe donc bien. Bon, je ne peux pas dire qu'il n'y a que les femmes qui oublient ça, parce que ça m'arrive aussi. Eh bien, ça fait vraiment plaisir d'être de retour encore ce soir pour la réunion et de passer ensemble ces bons moments de communion autour de la parole. Est-ce que vous appréciez ça? Oh, c'est vrai, nous passons simplement de merveilleux, merveilleux moments. Maintenant, nous avons confiance que Dieu nous aidera à continuer. Bon, mon frère est venu placer un tableau ici, mais c'est trop bas. Ce n'est pas assez haut. Alors demain, eh bien, je vais essayer de l'accrocher ici, de le soulever plus haut et de faire en sorte... Je veux dessiner certaines choses que j'aimerais expliquer pour que vous puissiez bien... Et je veux bien m'assurer que vous saisissiez vraiment cela. Il y avait, hier soir, ou c'était hier, ma petite fille, Sarah, j'ai trouvé ça plutôt mignon. Sa mère et moi regardions sa petite feuille de papier. Elle avait pris des notes de ma prédication. Elle avait tout noté correctement. Ésaïe, Matthieu et tout. Et tout au bas du papier, elle avait écrit « Et la mort ». La tombe n'a plus de victoire. La mort s'est fait arracher son aiguillon. Elle a environ 7 ans. Et au lieu d'écrire le livre des révélations, elle a dit le livre des révolutions. Eh bien, en tout cas, ça montre que ça les intéresse et qu'ils essayent d'obtenir quelque chose, pas vrai? Je pense que la petite fille de frère Collins, qui est assise là au fond, a aussi écrit « Révolution ». Frère Neville dit « Jour des révolutions ». Il est du même avis qu'elle. Je pense que nous devons tous le faire. Eh bien, nous passons vraiment un très bon moment. Oh, le Seigneur nous bénit vraiment. Ce matin, juste après avoir emmené les enfants à l'école, je suis allé étudier dans une pièce. Et je viens tout juste d'en sortir il y a quelques instants. J'y ai passé un moment merveilleux. Hier soir aussi, j'ai étudié jusqu'à très tard. Et vers 2h30 du matin, des gens sont venus du nord. Ils m'ont fait lever pour prier pour une petite fille qui était mourante. Et je suis sûr que le Seigneur va lui permettre de se rétablir. Ils ont fait tout le trajet depuis Bedford dans l'Indiana pour demander que l'on prie pour la petite fille à ce moment-là. Il s'agit de deux hommes qui étaient à la réunion hier soir et qui ont fait tout le trajet jusque là-bas, puis tout le trajet pour revenir, et de nouveau tout le trajet du retour. Ils ont probablement conduit toute la nuit. Et donc, c'est bon de savoir que les gens ont une telle confiance et croient Dieu. Oh, ce jour où nous vivons est un jour glorieux. Nous nous attendons maintenant à apprendre davantage au sujet de ces âges de l'Église. Là, nous essayons de commencer un peu plus tôt chaque soir, afin de vous laisser partir de bonne heure. Préférez-vous cela? Ça permet aux gens qui doivent travailler de rentrer chez eux et de pouvoir aller au travail. Hier soir, nous sommes sortis vers 21h05 ou 10, mais au moins j'avais terminé. Eh bien, nous sommes heureux d'avoir tous ces ministres qui nous visitent ce soir. Et frère Junior Jackson, frère Carpenter, notre frère de l'église là-bas, et beaucoup d'autres qui sont ici sur l'estrade et dans la salle. On m'a dit aujourd'hui que de très précieux amis à moi, qui étaient avec moi dans les champs de mission, frère et sœur Andrew, venus du fin fond de la Chine, étaient à la réunion hier soir.
Quel merveilleux moment nous avons passé ensemble en Jamaïque l'année dernière. Nous avons eu du bon temps. J'étais allé chez eux. Eh bien, si... Je me demande si frère et sœur Andrew sont présents ici à la réunion ce soir. Ce bâtiment n'est pas construit comme il faut. Alors, oui, ils sont assis tout au fond. Je me demande si vous voudriez bien vous lever, frère et sœur Andrew, juste un instant. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes si heureux de vous voir, frère et sœur Andrew. Quand j'étais là-bas l'année dernière, je les invitais à venir ici. Maintenant, je ne le dis pas parce qu'ils sont présents. J'allais en dire plus, mais je ne le dirai pas maintenant. Mais ils sont ce que j'appelle de vrais missionnaires. S'ils viennent demain soir, je veux qu'ils prennent la parole ici, juste avant moi. Je veux que vous entendiez ce que signifie vraiment un champ de mission, de ces moments où ils se retrouvaient au fin fond de l'arrière-pays et qu'ils n'avaient plus rien à... Eh bien, ils sont... Je pense qu'ils ont passé des années et des années et des années là-bas, sans jamais voir ne serait-ce qu'une voiture ou un train ou quoi que ce soit d'autre, pendant des années et des années. Et la sœur qui devait fabriquer leur pain avec, il lui fallait pétrir cela. Et, bon, ça, ce sont de vrais missionnaires. Frère Andrew avait une aiguille et du fil. Il était médecin. Il les recousait quand il se coupait. Et je pense que quand l'enfant, des enfants devaient naître, sœur Andrew servait probablement de sage-femme et frère Andrew de médecin. Ils dépendaient d'eux. Et alors, quand les missions de l'Angleterre, les missions pentecôtistes d'Angleterre, leur ont dit qu'ils étaient trop vieux pour retourner sur le champ de mission, pour vous dire à quel point ce sont de vrais missionnaires, ils n'ont pas cherché à s'installer confortablement dans un fauteuil. Ils y sont retournés de leur propre chef, là-bas, en Jamaïque. Et c'est là qu'ils font du travail missionnaire en ce moment. Frère Fred Southman et moi avons eu le privilège d'aller chez eux leur rendre visite. Que de beaux moments nous y avons passés. Des chrétiens aussi, aussi doux qu'on puisse l'être. Je vous le dis, je ne dis pas ça pour... Je préfère donner un petit bouton de rose maintenant, plutôt qu'une couronne après leur départ. Je vous le dis, ce sont de vrais chrétiens. J'ai dit à ma femme que sœur Andrew était l'une des chrétiennes les plus douces et gentilles que l'on puisse rencontrer. Elle est vraiment aussi, son caractère est façonné en Christ. Pareil pour frère Andrew. Donc, je suis sûr que si vous les avez vus, ceux qui viennent de se lever, j'aimerais que toute l'Église leur serre la main et qu'ils nous disent un mot avant leur départ. Bon. Demain, si le Seigneur le veut, eh bien nous, demain soir, nous aborderons le deuxième âge de l'Église. Ce soir, nous abordons le premier âge de l'Église. Je suis sûr que le Seigneur a une bénédiction en réserve pour nous. Et souvenez-vous, comme je l'ai déjà dit, il se pourrait que nous ayons quelques divergences au sujet de ces choses, en ce qui a trait à la théologie. La plupart de mes dates sont tirées des récits historiques authentiques, dont les auteurs n'avaient aucun intérêt à prendre un parti quelconque. Tout ce qu'ils faisaient, c'était de noter les faits, peu importe ce que c'était, au sujet du vécu des Églises. Et je, bien sûr, pour ce qui est de l'interprétation divine, j'essaie de la donner moi-même, du mieux que je peux. Et si de temps à autre, il m'arrive de parler durement ou sévèrement, ou quelque chose de ce genre, je ne le fais pas exprès. Ça, tout le monde, pour ceux qui me connaissent, sait que je ne le fais pas exprès. Je veux juste, mais pour que ça morde profondément, vous, c'est comme enfoncer un clou dans une planche. Si vous frappez juste légèrement là-dessus, il ne tiendra pas. Il vous faut l'enfoncer et le river pour qu'il tienne. C'est ce que j'essaie de faire. Ce n'est donc pas que je cherche à être en désaccord avec vous, puisque ma prédication s'adresse à toutes les dénominations et tout. Donc, ce n'est pas ça. J'ai toujours dit que c'est comparable au marquage du bétail. Je me souviens qu'il y a des années, j'étais assis un jour où on faisait le rassemblement du printemps. On amenait le bétail dans la forêt et j'aidais à conduire le bétail à ce qu'on appelle la clôture à bétail, où l'association Hereford fait paître le bétail dans la vallée de la rivière Troublesome.
Et j'étais assis là, la jambe par-dessus le pommeau de la selle, à regarder l'inspecteur alors qu'il examinait le bétail au fur et à mesure qu'il passait la clôture. Là, vous devez avoir, c'est que pour pouvoir être admis sur les terres du gouvernement, il faut être capable de produire une tonne de foin par tête de vache que l'on veut faire paître dans ce pâturage-là. Et si chaque ranch produit une certaine quantité de foin, cela correspondra à une certaine quantité de bêtes qui peuvent y paître. Ainsi, le bétail qui passait par là portait différentes marques. Certaines bêtes arboraient la marque Bar X. Monsieur Grimm, qui était juste à côté de nous là-bas, possédait les Diamond T, un T à côté d'un diamant. Il y avait les Lazy K, juste en amont de la rivière Troublesome. Nous, c'était des Turkey Track. Juste en dessous de nous, c'était des Tripod. Toutes sortes de marques passaient par cette porte. J'avais remarqué que l'inspecteur ne prêtait jamais beaucoup d'attention à ces marques. Il ne les regardait jamais. Parfois, elles se trouvaient du côté gauche de la vache. Donc, il ne pouvait pas voir la marque. Donc, ce n'était pas la marque qu'il surveillait. Mais il y a une chose qu'il vérifiait vraiment. C'est qu'aucune vache ne puisse passer là-bas à moins d'avoir une étiquette du sang à l'oreille. Il fallait que ce soit une Hereford, pur sang. Sinon, elle ne pouvait pas accéder à cette forêt. La marque ne comptait pas tant, mais c'était l'étiquette du sang. Et je pense qu'il en sera ainsi au jugement. Ce ne sera pas la marque que nous portons, mais il cherchera à voir l'étiquette du sang. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Bon, est-ce que je suis mal placé, Jean? Oui? Il y a de l'écho? Très bien. C'est une transposition entre les deux, n'est-ce pas? Très bien. Merci, frère Jean. Très bien. Maintenant, nous allons essayer de sortir encore tôt ce soir pour pouvoir revenir demain soir et parler de ces âges. Et je vous le dis, c'est tellement difficile pour moi de retenir certaines de ces grandes choses que nous verrons un peu plus loin dans cette étude. J'ai envie d'apporter tout cela en une soirée. Vous savez, c'est en quelque sorte ma nature, mais nous devons nous retenir un peu jusqu'au prochain soir. Maintenant, juste avant que nous commencions à ouvrir le grand livre, je me demande si nous pourrions nous lever un instant pour changer de position, alors que nous nous levons ceux qui le peuvent. Courbons solennellement la tête maintenant pour un mot de prière. Notre Père Céleste, nous nous approchons de nouveau de ton grand et saint trône, où nous venons avec foi, sans douter, car nous y venons parce que nous y avons été conviés. Nous ne pourrions pas dire que nous venons au nom d'une certaine église, ou d'une dénomination, ou au nom de cette église, ou en notre propre nom, parce qu'avec cela, nous n'aurions pas la certitude d'obtenir une audience avec Dieu. Mais comme Jésus nous a dit, si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, je le ferai. Alors nous savons qu'en venant au nom de Jésus, tu nous exauceras, Père. Nous sommes si heureux de lire ce qui est écrit au sujet des martyrs d'autrefois, comment ils ont scellé leur témoignage de leur propre sang. Alors, Père, cela nous donne le sentiment que nous ne faisons presque rien en ce jour-ci. Et je te prie, Seigneur, de pardonner notre négligence, alors que nous nous occupons de tes affaires. Et nous te prions de nous oindre de nouveau alors que nous lisons ta parole. Quand on voit la souffrance qui est survenue dans les jours d'autrefois pour former le canon de cette grande église rachetée du Dieu vivant. Je te prie, Père Céleste, de parler à travers nous ce soir, parce que nous ne savons pas quoi dire. Nous sommes simplement dans l'attente et nous offrons cette prière ici parce que nous sommes dans la présence de Dieu au sein de son Église. Et nous demandons que le Saint-Esprit qui est sur ces gens use de toute sa puissance ce soir et fasse vibrer l'Évangile dans chaque cœur, afin que cela nous fasse prendre de nouveaux positions et nous donne une nouvelle espérance pour l'âge qui vient. Accorde-le, Seigneur, car nous voyons le figuier bourgeonner et Israël devenir une nation. Les jours des nations s'écoulaient,
être comptés. Et nous attendons la venue du grand Rédempteur, notre Seigneur Jésus-Christ. Marche au milieu de nous, Seigneur. Comme il était dit ce soir, tu marches au milieu des chandeliers. Alors marche au milieu de nous ce soir, Seigneur. Mets nos cœurs en garde contre le mal qui vient et donne-nous la compréhension de ta parole. Car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bon, comme je l'ai dit, chaque jour, j'essaie de noter sur du papier autant d'informations que possible, par rapport aux dates, aux lieux et tout, parce que ce sont des événements historiques que nous abordons. C'est de l'histoire, et maintenant, nous parcourons cela en la faisant correspondre aux différentes périodes. Bon, dimanche matin et dimanche après-midi, ou plutôt dimanche soir, nous avons passé de glorieux moments. J'en suis certain, c'était le cas pour moi. Quant à la révélation, maintenant, qu'est-ce que nous étudions? La révélation de Jésus-Christ. Qu'avons-nous découvert au sujet de la révélation que Dieu a montrée et qui il était? La première chose que nous découvrons parmi toutes les révélations, c'est que Dieu a fait connaître qui il était, que Jésus n'était pas la troisième personne d'une Trinité. Il était la Trinité tout entière. Il était à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Et ça, c'était la révélation. Il est dit 4 fois dans le même chapitre qu'il était le Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Le rejeton est la postérité de David. Nous voyons donc maintenant qu'en parcourant ceci, nous allons essayer de rendre tout ça clair. Parce que je ne sais pas quand nous en entendrons encore parler. Peut-être jamais, jusqu'à ce que le temps ne soit plus, qu'il fonde dans l'éternité. Bon, comme je l'ai déjà dit, il y a peut-être beaucoup de frères, des enseignants beaucoup plus aptes à parler de ces choses que moi, et qui pourraient probablement en avoir une meilleure interprétation. Mais Dieu m'a mis à cœur de le faire. Je serais donc un hypocrite si je ne disais pas exactement ce que je pense être juste. Voyez ? Alors, je veux toujours être irréprochable devant Dieu, en tout temps, parce que je n'ai rien caché, comme Paul l'a dit. Je vous ai exhorté jour et nuit avec larmes, afin que l'Église soit alors trouvée prête. Si quelqu'un est perdu, que son sang ne soit pas sur mes mains, parce que je veux être pur du sang de tout homme ce jour-là. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, faites-le simplement de façon amicale, et ça sera très bien. Bon, mais peut-être que le Seigneur révélera quelque chose qui nous aidera, nous tous. Maintenant, tout d'abord, nous voyons qu'il s'est révélé. Nous comprenons maintenant qui il était. Bon, avant d'aller plus loin, puisque j'ai déclaré que l'aspersion et le baptême au nom de Père, Fils, Saint-Esprit est un baptême catholique et non un baptême protestant ou un baptême selon le Nouveau Testament. J'espère avoir été clair là-dessus. J'ai demandé à quiconque de me montrer un passage de l'Écriture où qui que ce soit a été baptisé dans la Bible ou avant le concile de Laodicée où ils ont créé l'Église catholique ou qui que ce soit a été baptisé au nom de Père, Fils, Saint-Esprit de bien vouloir venir me le montrer. Et j'écrirai dans mon dos un faux prophète et j'irai dans la rue. Or, je dis ça simplement pas pour être dur, mais simplement pour vous montrer que c'est la vérité. Voyez, maintenant, la Bible le révèle donc ici, comme étant le Dieu Tout-Puissant, fait chair parmi nous. Voyez, non pas Père, Fils et Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de trois dieux ou d'un Dieu coupé en trois morceaux. C'est un seul Dieu qui a œuvré dans trois fonctions. La paternité, la filiation et le Saint-Esprit. Dieu qui s'abaisse depuis le jardin d'Éden, qui essaie de se frayer un chemin pour retourner dans le cœur des hommes, afin qu'ils vivent de nouveau avec lui comme des fils et des filles de Dieu. C'est Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, Dieu en nous. C'est ça la différence, voyez? Et maintenant ces choses, la Bible révèle cela, elle énonce clairement dans le premier chapitre de l'Apocalypse.
C'est le seul livre de la Bible, de le Nouveau Testament, dans tout le canon du Nouveau Testament, c'est le seul livre sur lequel Jésus a mis son propre sceau. Et il a dit au tout début de cela, « Heureux celui qui lit et celui qui entend ». Et à la fin, il a dit, « Si quelqu'un en retranche une partie ou y ajoute quoi que ce soit, à celui-là sera retranchée sa part du livre de vie. » C'est donc une malédiction pour quiconque de retrancher quoi que ce soit. Ceci, c'est la révélation complète de Jésus-Christ. Donc, si nous le rendons triple, vous savez ce qui arrivera. Voyez, votre nom sera retranché. Et personne, aucun protestant, aucune église primitive n'a jamais cru en trois dieux. C'était un grand enjeu au Concile de Nicée. Et les deux camps ont pris des branches latérales, dans cette direction-ci, pour ainsi dire. Les trinitaires, les gens de la tri-unité, ceux qui croyaient en la Trinité, ont finalement créé l'Église catholique. Ils sont devenus complètement trinitaires et ont fait de Dieu trois personnes. Il y a un autre groupe qui croyait que Dieu était un seul. Et ils sont allés dans l'autre sens pour devenir des unitaires. Les deux ont un. Dieu ne peut pas. Jésus ne pouvait pas être son propre Père. Pas plus que Jésus ne peut avoir un Père et lui être. Il y aurait trois dieux. Ça n'aurait pas pu marcher. En effet, s'il a un Père, et que ce Père, c'est quelqu'un d'autre que lui, il aurait alors, et que le Saint-Esprit en est un autre, il serait un enfant illégitime. La Bible dit que le Saint-Esprit était son Père. Et si nous avons le Saint-Esprit, alors ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le Père qui est en nous, sous le nom du Saint-Esprit, et qui occupe cette fonction en nous, parce qu'il était autrefois dans un homme appelé l'Esprit. Il est revenu, et il est en nous maintenant, le même Jéhovah Dieu. Voyez, trois dieux, ça n'existe pas. Trois dieux, c'est du paganisme, c'est païen. Cela a été adopté. Et si vous voulez bien rester toute la semaine, sans parti pris, mais examiner et considérer les choses du point de vue de l'histoire, prenez les mêmes récits historiques que moi, ou que n'importe qui d'autre, n'importe quel récit historique. Sachons que tous les récits historiques concordent. Ces historiens n'ont rien à voir avec un quelconque parti. Tout ce qui les intéresse, c'est de rapporter les faits, ce qui est arrivé. Regardez bien comment cette chose s'est infiltrée chez Luther, a continué chez Wesley et a ensuite été dévoilée dans les derniers jours. Ce baptême au nom de Père, Fils et Saint-Esprit. Observez comment cela est entré dans l'Église catholique pendant l'âge des ténèbres, a continué chez Luther, a continué chez Wesley, mais entre Wesley et Laodicée, à la fin, cela devait être dévoilé. C'est vrai. Eh bien, tout ça, c'est de l'histoire. Pas seulement de l'histoire, mais c'est la Bible. Bon, ce soir, nous abordons les sept âges de l'Église. Il s'agit des sept églises qui étaient en Asie mineure au moment où le livre avait été écrit. À cette époque-là, ces églises avaient certainement les caractéristiques des âges des églises à venir. Parce que il y avait bien plus d'églises, notamment l'église des Colossiens et bien d'autres à cette époque-là. Mais Dieu a choisi ces églises-ci en raison de leurs caractéristiques. Donc, nous avons vu que celui qui était debout au milieu des sept chandeliers d'or avait dans sa main sept étoiles. Et ces sept étoiles, dit-il au chapitre 1, verset 20, ce sont les sept anges des sept églises. Maintenant, dans la Bible, ils n'ont pas compris cette révélation, car à quoi ça leur aurait servi de veiller et d'attendre s'ils avaient su qu'il se passerait des milliers d'années avant que Jésus vienne? Cela ne leur avait pas été donné à eux. Et je vous le dis, à vous qui êtes ici, à vous les catholiques, à vous les luthériens, à vous les méthodistes, et ainsi de suite, cela n'a pas été donné à Martin Luther. Cette lumière qui éclaire la parole aujourd'hui. Pas plus que cela n'a été donné à John Wesley. John Wesley a prêché la sanctification que Luther avait omise.
Et la lumière vient au fur et à mesure que nous avons besoin de lumière. Dieu le dit, et ça reste voilé pour nous. Puisque ça reste caché à nos yeux, jusqu'au jour où Dieu peut le révéler. Je me demande ce qu'il en sera après notre départ. Oui, je suis convaincu qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses dont nous ne savons rien. C'est vrai, il y a sept sceaux. Si nous prenons seulement le livre de l'Apocalypse tout entier, qui sont scellés au dos du livre, ce n'est pas écrit dans le livre. Ces sceaux doivent être ouverts pendant cet âge-ci de l'Église. Et les sept derniers mystères de Dieu doivent être révélés. Oh, j'aimerais simplement rester là-dessus tout l'hiver, parcourir cela d'un bout à l'autre. Oui, monsieur, les sept âges de l'Église. De même que Daniel a entendu les sept tonnerres, et il lui était interdit. Jean a entendu des voix, et le livre a été scellé. Le dos du livre a été scellé de sept sceaux. Mais au jour de l'ouverture de ces sceaux, le mystère de Dieu s'accomplirait. Autrement dit, Dieu serait connu de son Église, non pas comme trois personnes, mais comme une seule personne. Le mystère de Dieu serait révélé. Et quand cela sera entièrement révélé, alors les sept mystères seraient dévoilés à l'Église. Parce qu'à ce moment-là, l'Église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il se mouvra à l'intérieur et à l'extérieur et montrera par des signes qu'il est vivant et qu'il est parmi nous. Qu'il est vivant parmi nous. Et nous adorerons alors le Christ vivant qui est parmi nous. Ne cherchez jamais de grandes églises et de grandes choses. Quand nous aborderons cet âge pentecôtiste, vous verrez certainement où ils ont échoué. L'Église même de Laodicée signifie riche, n'ayant besoin de rien. Pourtant, elle est nue, malheureuse, aveugle, misérable, et elle ne le sait pas. Voyez, ils ont couru après de fortes sommes d'argent, des bâtiments et tout le reste, alors que l'Église a toujours été comme les balayures du monde. Et là, ils étaient haïs de tous, chassés, vivant dans des ruelles, ou partout où c'était possible. Lisez Hébreux 11, considérez les 6 ou 8 derniers versets, et voyez comment ils erraient ça et là dans les déserts, et vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, affligés, maltraités. Ces gens-là, que vaudra notre témoignage face aux leurs au jour du jugement? Voyez les gens de ce temps-là. Maintenant, quant à cet âge de l'Église, nous avons cette Église. Maintenant, je veux placer cela pour que ce soit bien visible. Je ne pense pas que vous puissiez le voir d'ici. Peut-être que certains d'entre vous le peuvent. J'en doute fort, mais je vais essayer de dessiner. Je savais que vous ne le pouviez pas, vous qui êtes assis ici, de dessiner les sept âges de l'Église. Je vais le tenir à la main pour que vous puissiez comprendre. Cela a commencé, l'Église a commencé à la Pentecôte. Quelqu'un pourrait-il nier cela? Non, monsieur. L'Église a commencé à la Pentecôte avec une bénédiction de Pentecôte. Et elle a été établie par Jésus-Christ pour continuer jusqu'au dernier jour avec le même message et la même bénédiction qui œuvre en nous. Sa dernière commission à son Église, Marc 16, « Allez par tout le monde, prêchez l'Évangile. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Maintenant, où ça? Par tout le monde. À qui? Toute la création. Noir, brun, jaune, blond. Quelle que soit la créature, prêchez l'Évangile à toute la création. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Maintenant, ce soir, nous allons juste effleurer cela. Nous allons commencer à tailler là-dedans ce soir. Chaque soir, nous allons en tailler un plus gros morceau, jusqu'à ce que nous arrivions à notre propre âge de l'Église. Maintenant, nous voyons que ça, c'était sa commission. Donc, le premier âge de l'Église, c'était l'Église d'Éphèse. Le deuxième âge de l'Église, c'était Smyrne. Le troisième âge de l'Église, c'était Pergame. Le quatrième âge de l'Église, c'était Thyatire. Le cinquième âge de l'Église, c'était Sardes. Le sixième âge de l'Église, c'était Philadelphie. Et le septième âge de l'Église, c'était Laodicée.
Maintenant, le premier âge de l'Église a commencé vers l'an 53 après Jésus-Christ, quand Paul a établi l'Église à Éphèse. Au cours de son voyage missionnaire, il a établi l'Église à Éphèse, l'Église d'Éphèse, et il en était le pasteur jusqu'à sa décapitation en 66. Ce qui fait qu'il a été le pasteur de l'Église d'Éphèse pendant environ 22 ans. Après sa mort, il nous est rapporté que Paul, ou l'apôtre Jean, en est devenu le pasteur et a continué de l'être jusqu'à cet âge-là. Et l'âge de l'Église s'est prolongé jusqu'en 170. Puis, après l'âge de l'Église d'Éphèse, de 53 après Jésus-Christ à 170 après Jésus-Christ, l'âge de l'Église de Smyrne, qui a duré de 170 après Jésus-Christ à 312 après Jésus-Christ, a pris le relais. Ensuite est arrivé l'âge de l'Église de Pergame. L'âge de l'Église de Pergame a commencé en 312 et a duré jusqu'en 606 après Jésus-Christ. Ensuite est arrivé l'âge de l'Église de Thyatire. L'âge de l'Église de Thyatire a commencé en 606 et a duré jusqu'en 1520. L'âge des ténèbres. Ensuite, l'âge de l'Église de Sardes a commencé en 1520 et a duré jusqu'en 1750. L'âge luthérien. Puis, à partir de 1750, l'âge suivant, c'était celui de Philadelphie, l'âge de Wesley. Il a commencé en 1750 et a duré jusqu'en 1906. Et en 1906, l'âge de l'Église de Laodicée a commencé. Et je ne sais pas quand il va se terminer, mais je prédis que ce sera terminé d'ici 1977. Je prédis. Ce n'est pas le Seigneur qui me l'a dit, mais je le prédis selon une vision qui m'a été montrée il y a quelques années, dont cinq choses se sont, sur les sept, se sont déjà accomplies. Environ, combien dans l'Église se souviennent de cette vision? Certainement. Cela avait même dit que Kennedy serait élu lors de cette dernière élection, que les femmes obtiendraient le droit de vote, que Roosevelt entraînerait le monde dans une guerre, que Mussolini irait en Éthiopie, sa première invasion, et s'en emparerait, que ce serait sa fin et qu'il mourrait après ça, que ces grands ismes s'élèveraient et finiraient tous dans le communisme, l'hitlérisme, Mussolini et le nazisme et tout finiraient tous dans le communisme. 11 ans avant que ça arrive, cela avait dit que nous entrerons en guerre contre l'Allemagne et l'Allemagne sera fortifiée derrière du béton, la ligne Maginot. Ça s'est accompli exactement comme ça. Puis, cela a dit qu'après ça, on en arriverait là où il arrivera que la science fasse de si grands progrès qu'on inventerait une voiture. Des voitures qui prendraient de plus en plus la forme d'un œuf. Et cette vision a été racontée ici même où l'Église de Christ se trouve maintenant, à l'ancien mais orphelinat. Charlie Kern, qui est peut-être dans le bâtiment ce soir, habitait à cet endroit à l'époque. Ça s'était produit un dimanche matin, vers 7 heures. Cela avait dit, puis il arrivera qu'ils inventent une voiture qui n'aura pas besoin de volant et qui sera guidée par une sorte de puissance. On l'a maintenant. On l'a maintenant. C'est une puissance magnétique de guidage par radar. Ils n'ont même pas... Vous programmez simplement votre radar selon l'endroit où vous allez. Cela vous y amène sans que vous ayez besoin de conduire. Bon, il y était dit, en ce temps-là, une femme puissante s'élèverait aux États-Unis. Elle était bien habillée et ravissante, mais elle était cruelle dans son cœur. Au sujet de cette vision, j'ai écrit entre parenthèses, sur du papier jaune, j'ai écrit « c'est peut-être l'Église catholique ». Le fait que les femmes aient obtenu le droit de vote contribuerait à l'élection de la mauvaise personne pour ce pays. Et c'est ce qui s'est produit, tout à fait. Maintenant, cela a dit, c'est juste le début. Maintenant, une autre chose que cela disait, c'est que, puis tout juste après cela, j'ai vu cette nation devenir comme un tas de braises, complètement réduite en pièces par une explosion. Eh bien,
Si ces choses sont arrivées, celle-ci arrivera aussi. Nous sommes à... C'est la raison pour laquelle je suis ici ce soir, pour essayer d'apporter ceci et le présenter aux gens à Jeffersonville, puisque je me prépare à repartir dans les champs missionnaires très bientôt. Et je ne sais pas à quel moment je pourrais être rappelé ou enlevé. Ça, nous ne le savons pas. Et je veux être sûr que je suis, que l'Église sache l'heure où elle vit, parce que le Dieu Tout-Puissant m'en tiendra responsable. Maintenant, chacune de ces églises, selon l'Écriture, là, avait un ange. Et l'ange était un... Combien savent ce que signifie un ange? C'est un messager. Un messager. Et il y avait sept anges pour les sept églises, c'est-à-dire sept messagers. Maintenant, ils étaient des étoiles dans sa main. Dans sa main, ces sept étoiles étaient censées réfléchir la lumière de sa présence au temps du soir où nous vivions. Comme les étoiles réfléchissent le soleil sur la terre pour l'éclairer afin que nous puissions marcher et nous déplacer la nuit. Bon, nous voyons alors que pendant ce temps, chacun de ces anges avait une position et une place. Et frères, ce soir, nous n'aborderons pas cela, parce que nous connaissons cet ange de la première église. Mais ce sera une chose mystérieuse et glorieuse que de sonder l'histoire et d'en faire ressortir devant vous les anges de ces autres églises. Paul était l'ange de la première église. C'est lui, le messager de Dieu, qui l'avait fondé. L'ange de l'église d'Éphèse, c'était Paul. L'église, bon, la raison pour laquelle je... Bon, pour les autres, vous pourriez ne pas être d'accord. Mais je suis resté là pendant des jours et des jours sous l'inspiration, jusqu'à ce que je sente le Saint-Esprit descendre sur moi, et moindre pour cela. C'est pour ça que je le sais. Observez ces hommes qui ont été choisis. Si vous êtes historien, tous ces hommes que j'ai ici et que je sais par révélation qu'ils étaient les anges de l'Église, avaient le même ministère que ceux du début. Et ce ministère ne peut pas changer. Ça doit rester celui de la Pentecôte du début à la fin. Maintenant, les historiens qui sont assis ici ne seront pas d'accord avec moi au sujet de cet homme. Mais pour l'Église de Smyrne, je sais que c'est Irénée qui était l'ange de ce jour-là. Polycarpe, beaucoup d'entre vous diront que c'était plutôt Polycarpe. Vous diriez que c'était lui. Mais Polycarpe penchait plus vers l'organisation et le catholicisme, qui était la religion montante. Mais Irénée était un homme qui parlait en langue, qui avait la puissance de Dieu, et des miracles l'accompagnaient. Il était l'ange de la lumière de Dieu, et il a continué à porter la lumière après la crucifixion ou le meurtre, l'assassinat de Polycarpe. Irénée était l'un de ses disciples, et Polycarpe était disciple de Paul ou de Jean. Par la suite, Irénée a pris sa place et a apporté la lumière. Et l'ange de la lumière de Pergame était le grand Saint Martin. Je ne crois pas qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y ait jamais eu sur la terre un homme plus grand que Saint Martin. La puissance? Des assassins étaient venus vers lui pour le décapiter. Il croyait au miracle, au prodige et à la bénédiction de Pentecôte. Et quand ils sont arrivés, ils voulaient l'assassiner. Il a ôté son manteau et leur a tendu le cou. Et quand l'assassin a dégainé l'épée pour lui couper la tête, la puissance de Dieu l'a fait tomber à la renverse devant lui. Et il a rampé sur ses genoux pour lui demander « Amen ». Il était un ange de l'Église. Et autre chose, regardez comment un de ses frères avait été pendu. Il était en route pour essayer de le retrouver, pour voir ce qui s'était passé. Et quand il est arrivé là, on l'avait déjà pendu. Il était étendu, mort, les yeux sortis des orbites. Il s'est approché de lui, est tombé à genoux, et s'est étendu sur lui pendant une heure, priant Dieu. La puissance de Dieu est venue sur cet homme, et il s'est relevé. Il l'a pris par la main et est reparti avec lui aussitôt. Ça, c'est de l'histoire. Tout comme George Washington, Abraham Lincoln et bien d'autres. C'est de l'histoire. Oui, monsieur. Saint Martin était l'ange de l'église de Pergame. C'est après cela que le mariage de l'église va les mener au catholicisme.
l'ange de l'église de Thyatire, c'était Colomba. L'ange de l'église de Sardes, l'église morte. Le mot sarde signifie mort. Il porte un nom. Ce n'est pas son nom, mais un nom que tu fais vivre, mais tu es mort. Observez la manière dont ils ont introduit ce baptême en ce temps-là. Voyez, ça vient de là. L'ange de l'église de Sardes, c'était Martin Luther, le premier réformateur. L'ange de l'église de Philadelphie, c'était John Wesley, le messager. Et l'ange de l'église de Laodicée n'est pas encore connu. Il le sera un jour, mais peut-être qu'il, sur terre, celui qui a des oreilles, savent que c'est l'âge où nous vivons. C'est Dieu qui en jugera. Bon, remarquez maintenant, nous allons maintenant prendre les Écritures et retourner au premier âge de l'Église. Or, j'ai quelques petites notes ici que j'aimerais que vous écoutiez attentivement. La première Église, l'Église d'Éphèse, les œuvres de l'Église, le reproche que Dieu leur a fait, c'était à cause des œuvres dépourvues d'amour. Leur récompense, c'était l'arbre de vie. L'église de Smyrne était une église persécutée. Elle est passée par des tribulations. Sa récompense, c'était la couronne de vie. La troisième église, Pergame, l'âge de la fausse doctrine, du mensonge de Satan et de l'instauration du règne papal, du mariage de l'église avec l'État. La récompense était la manne cachée et un caillou blanc. L'église de Thyatire était l'église de la séduction papale, l'âge des ténèbres. La récompense, c'était la puissance, l'autorité sur les nations et l'étoile du matin. C'est la petite minorité qui a tenu bon. L'église de Sardes, c'était l'âge de la réforme, le grand missionnaire, non pas missionnaire, mais les noms cachés. Ils avaient leur propre nom. Et leur récompense, c'était un vêtement blanc et le nom inscrit dans le livre de vie, qui doit être présenté lors du jugement. Nous avons vu cela l'autre jour, le livre de vie. On vous jugera d'après le livre de vie. Les saints seront changés et enlevés sans cela. Ils ne passent pas par ça. L'âge de l'église de Philadelphie, c'était l'âge de l'amour fraternel, l'âge de la grande commission, le grand âge missionnaire, la porte ouverte. Et la récompense, c'était une colonne. La révélation des noms de Dieu devait se faire au cours de cet âge-là, qui s'est terminé vers 1906. Très bien. L'âge de Laodicée, c'était pour l'Église tiède, riche, qui s'était enrichie et qui n'avait besoin de rien, mais qui était malheureuse, pauvre, aveugle, misérable et nue. Et leur récompense, c'était de s'asseoir sur le trône avec le Seigneur, pour ceux qui auraient vaincu cet âge. Maintenant, pour éclaircir cela ce soir, pour vous en montrer un peu plus au cours de la réunion de ce soir, nous allons prendre le chapitre 2, le premier âge de l'Église. Il est révélé, et nous savons qui il est. Il est Dieu. Maintenant, cet âge de l'Église commence, comme je l'ai dit, vers 53 et se termine en 170. Et A, la ville, c'est Éphèse, l'une des trois plus grandes villes d'Asie. On l'appelle souvent la troisième ville de la foi chrétienne. La première était Jérusalem, la deuxième Antioche et la troisième Éphèse. C'était une très grande ville de commerce et des affaires. E, elle était gouvernée par les Romains. F, la langue qu'on y parlait était le grec. Les historiens croient que Jean, Marie, Pierre, André et Philippe ont tous été enterrés là-bas. Éphèse était réputée pour sa beauté. Le christianisme à Éphèse était pratiqué où les Juifs vivaient à Éphèse. Cela y avait été introduit vers l'an 53 ou 55 après Jésus-Christ. Le christianisme y avait été implanté par Paul. Plus tard, Paul a passé 3 ans à Éphèse. Les enseignements de Paul avaient une grande influence sur les croyants d'Éphèse.
Ensuite, Timothée avait été le premier évêque de l'église d'Éphèse. Paul a écrit à l'église d'Éphèse. Du temps de Paul, c'était une grande église. Éphèse signifie, le nom même Éphèse signifie laisser aller, relâcher, rétrograde. Elle est appelée par Dieu l'église rétrograde. Dieu a premièrement reconnu leurs œuvres, leur travail et leur persévérance. Dieu leur a reproché leur mode de vie, le fait d'avoir abandonné leur premier amour, d'avoir rétrogradé et de ne plus porter de lumière. L'église d'Éphèse n'était pas une église séduite. C'est elle-même qui a failli quand elle a cessé de persévérer dans l'amour parfait. Résumé d'Éphèse, les fruits sans l'amour ont conduit à l'apostasie. Les promesses, le paradis est promis aux vainqueurs, aux saints d'Éphèse, de cet âge de l'Église. Ils auront part à l'arbre de vie. Voici quelque chose de très beau. L'arbre de vie est mentionné trois fois dans la Genèse et trois fois dans l'Apocalypse. La première fois qu'il était mentionné dans la Genèse, c'était en Éden. Et cet arbre, c'était Christ. Les trois fois où il était mentionné dans l'Apocalypse, c'était Christ au paradis. Oh, que c'est riche! Que le Seigneur soit béni! Maintenant, nous allons commencer le chapitre 1 d'Éphèse, ou le chapitre 2, verset 1, l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église à Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Jean était le messager à ce moment-là. Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, marche au milieu de ces sept chandeliers d'or. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas dit qu'il marche avec un seul chandelier. Il marche au milieu de tous. Qu'est-ce que cela indique? Qu'il est le même Dieu, hier, aujourd'hui et éternellement, dans chaque âge de l'Église et pour chaque croyant. Il vient donc avec le Saint-Esprit dans chaque âge et à chaque personne. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il tient dans sa main droite. La main droite signifie son autorité et sa puissance. Il tient dans sa main droite, sous son contrôle, les sept messagers des sept âges de l'Église. Oh, j'aime cela, le voir marcher tout au long de ces âges de l'Église. Christ, qui se fait connaître à son peuple tout au long de l'âge des ténèbres, tout au long de chaque âge, alors que l'Église devenait formaliste et se disloquait, et que les uns allaient d'un côté et les autres d'un autre. Cette petite minorité de l'Église a tenu bon, et Christ travaillait avec eux, confirmant sa parole. Il la guidait à travers toutes ces choses. C'est tellement facile de voir comment nous en sommes arrivés à ce que nous avons aujourd'hui, quand on se met à étudier ceci. Maintenant, ici, au début, je crois que vous pouvez tous voir à cette hauteur. Voici un âge de l'Église, c'est la Pentecôte. Le deuxième âge de l'Église, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième âge de l'Église. Maintenant, si vous regardez attentivement, l'Église commence à la Pentecôte. Combien croient cela? Vous voyez ce qui s'est passé à la Pentecôte? Ensuite, nous voyons l'Église perdre continuellement du terrain. Elle commence à décliner un peu plus, encore plus, toujours plus, un petit peu. Ça décline comme ça au fur et à mesure que la véritable Église diminue. Maintenant, Christ, peu importe combien petite est l'Église, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. Quand ils sont assemblés, en quoi? Au nom des méthodistes? Au nom des baptistes? Au nom des pentecôtistes? Au nom de Jésus? Là où deux ou trois sont assemblés, peu importe combien ils sont peu nombreux, et ils seront si peu nombreux dans les derniers jours
qu'il a dit qu'il va devoir venir rapidement et abréger l'œuvre, sinon nulle chair ne serait sauvée pour l'enlèvement. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom. Maintenant, la première génération, les apôtres. Là, nous voyons que c'est le début, la Pentecôte. Voici qu'il marche là, le même grand Dieu. Les mêmes grands miracles devaient se produire tout au long de ces âges, parce qu'il marchait au milieu de chaque âge, bénissant quoi ? Son peuple, qui est assemblé en son nom. Je veux que vous observiez ceci, alors qu'on fait l'étude de l'Église. Cette Église-ci avait le nom de Jésus. Cette Église-ci avait le nom de Jésus. Cette Église-ci avait le nom de Jésus. Et cette Église-ci l'a perdue. Cette Église-ci est sortie, l'âge luthérien, qui a un nom que tu fais vivre, mais tu es mort. Et cela continue jusqu'à la fin de cet âge-ci. Et entre cet âge-ci et cet âge-ci, il y a une porte ouverte qui ramène de nouveau ce nom dans l'Église. Maintenant, regardez et voyez si c'est la vérité, après que nous l'aurons vu ici dans les Écritures. Là, entre ces âges. Bon, demain soir, j'essayerai de faire installer cela ici en haut, afin que nous puissions tous le voir. Je viendrai peut-être demain après-midi dessiner pour certains des schémas dont je veux vous parler. Et s'il y en a parmi vous qui possèdent les récits historiques, apportez-les. Ou prenez des notes, puis allez à la bibliothèque ou ailleurs, vous procurez les récits historiques et lisez-les pour voir si ceci est vrai. Maintenant, le verset 1. Que fait-il ? Il leur adresse une salutation. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, à Jean. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. C'est une salutation. Maintenant, au verset 2 et au verset 3, il les félicite. Je connais tes œuvres, tes travaux et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Voyez, l'apostasie avait déjà commencé à s'installer dans ce premier âge. Cela avait commencé déjà en ce temps-là, parce que les élus, la véritable Église qui voulait garder les préceptes de la Bible et garder les paroles que Jésus avait prononcées dans son témoignage, ils avaient déjà commencé à se retirer. Quelque chose a commencé à se produire. De faux enseignants se sont élevés. Des gens qui enseignaient des choses fausses, contraires aux Écritures, qui essayaient d'introduire quelque chose ou d'ajouter quelque chose. C'est pour cela qu'il a donné cette révélation à l'Église et a dit « Quiconque en retranche ou y ajoute, sa part sera retranchée du livre de vie. » Ça veut dire être perdu, frère. Ne touchez pas à la parole de Dieu. Peu importe qui elle blesse ou ceux qu'elle blesse, proclamez-la quand même. Exactement comme elle est écrite ici. C'est ainsi qu'il faut le faire. Nous n'avons pas besoin d'un super quelque chose d'autre. Nous n'avons pas besoin de prêtre ou de quoi que ce soit pour nous l'interpréter. C'est Dieu, le Saint-Esprit, qui est l'interprète. C'est lui qui en donne l'interprétation. Maintenant, si vous remarquez, ils se sont détournés des méchants et ont découvert les faux prophètes, après qu'il ait été prouvé qu'ils étaient faux, bien qu'ayant l'apparence de la piété. Vous voyez comment l'Église a commencé à devenir formaliste pendant cette période ? Ils se sont en quelque sorte mis à nuire à ceux qui étaient sous l'inspiration du Saint-Esprit. Se sont mis à inciter les gens à se moquer en quelque sorte des gens. Eh bien, Jésus n'a-t-il pas dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera à cause de la justice ?» Il n'a jamais dit de commencer à devenir formaliste. Il a dit « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse !» Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Il a dit cela, c'est dans les Béatitudes, dans Matthieu 5. « Heureux serez-vous !» Eh bien, avoir des gens qui se moquent de vous parce que vous aimez le Seigneur Jésus, le simple fait de les voir agir ainsi, c'est une bénédiction. Ils ne font que, quand ils vous insultent, ils font descendre sur vous les bénédictions de Dieu.
ça se retourne contre eux, comme il en avait été pour Balaam autrefois. Ça se retourne contre eux. Quand ils essaient de se moquer de vous, parce que vous êtes chrétien, eh bien, ça se retourne contre eux. Et Dieu envoie une bénédiction, car heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera à cause de mon nom, à cause de son nom. Heureux serez-vous. Maintenant, nous voyons qu'ils avaient commencé à avoir l'apparence de la piété. Maintenant, je pourrais m'arrêter juste ici et dire quelque chose. Je crois que je vais le faire. Avez-vous remarqué que chaque réveil... Maintenant, mes frères dans le ministère, vérifiez ceci. Chaque réveil produit des jumeaux, exactement comme Jacob et Rebecca ont eu des jumeaux. Ésaü et Jacob. Je veux dire Isaac au lieu de Isaac et Rebecca au lieu de Jacob. Isaac et Rebecca ont eu des jumeaux. Le père était pieux, la mère était pieuse, mais deux garçons leur sont nés, Ésaü et Jacob. Eh bien, les deux étaient religieux. Mais Ésaü, quant aux œuvres et aux actions, en bon légaliste, il était probablement un meilleur garçon que l'était Jacob en tout point. Le saviez-vous? Jacob était juste un petit garçon qui restait toujours près de sa mère. Mais Ésaü sortait et allait travailler. Il sortait et ramenait du gibier qu'il donnait à son vieux père aveugle, qui était prophète. Il essayait de prendre soin de lui. Mais Jacob n'avait qu'une seule chose en tête. Il voulait ce droit d'aînesse. Peu lui importait combien de temps il devait rester là ou faire quoi que ce soit. La chose principale dans sa vie, c'était le droit d'aînesse. Et Ésaü méprisait cela. Maintenant, ne voyez-vous pas l'homme naturel? L'homme naturel? Quand un réveil arrive, il y a deux catégories de gens qui sortent de chaque réveil. Il y a l'homme naturel qui va s'avancer à l'autel et dire « Oui, monsieur, j'accepte Christ comme mon sauveur. » Il va repartir. Et qu'est-ce qui va lui arriver? Avant longtemps, il finira dans une bonne église froide et formaliste, parce qu'il se dit « Eh bien, si j'adhère à l'église, je suis tout aussi bon que cette autre personne. Ne suis-je pas aussi bon qu'un tel? Qu'est-ce que ça peut bien changer tant et aussi longtemps que je suis membre d'église et que je fais ma confession? Eh bien, ça fait toute une différence. Vous devez naître de nouveau. Vous devez avoir le droit d'aînesse. Jacob ne se souciait pas de combien on se moquait de lui. Il voulait le droit d'aînesse. Et peu lui importait comment il allait l'obtenir. Bon, beaucoup de gens ne veulent pas du droit d'aînesse parce qu'ils pensent que ce n'est pas vraiment populaire. Ils ne veulent pas s'agenouiller à l'autel et pleurer un peu ou se priver de quelques repas et que sais-je encore. Ils ne veulent pas le faire. Beaucoup de femmes, beaucoup de, vous savez, qui portent de la manie, du maquillage, elles pensent que si elles pleurent, ça pourrait les démaquiller et elles seraient obligées d'en remettre. Eh bien, elles, c'est... Je ne le dis pas pour être sacrilège. J'espère que ce n'est pas l'impression que ça donne, mais c'est la vérité. Ils n'en veulent simplement pas. Ils ne veulent pas de la nouvelle naissance, parce que la nouvelle naissance est en quelque sorte un gâchis. C'est comme n'importe quelle autre naissance. Toute naissance est un gâchis, peu m'importe où elle a lieu. Si c'est dans une porcherie, ou dans la grange, ou dans une chambre d'hôpital décorée en rose, c'est un gâchis. La nouvelle naissance, c'est pareil, c'est un gâchis. Amen. Cela vous fera faire des choses que vous n'auriez jamais pensé faire. Vous tenir au coin d'une rue et battre du tambourin, ou chanter « Gloire à Dieu, Alléluia, Dieu soit loué, gloire à Dieu !» Eh bien, vous agirez comme un fou. C'est ce que cela a fait aux apôtres. C'est ce que cela a fait à la Vierge Marie. Elle se conduisait comme si elle était ivre. Elle était un gâchis dans la société. Mais il faut un gâchis pour produire la vie. Amen. À moins qu'une chose meure et pourrisse, la vie ne peut pas en sortir. Tant qu'un homme ne meurt et ne pourrit à ses propres pensées, Christ ne peut pas entrer dans son cœur. Si vous essayez de vous dire en vous-même, « Bon, lorsque je vais m'avancer à l'autel, je vais dire, « Oui Seigneur, je suis quelqu'un de bien, je vais t'accepter, je vais payer ma dîme, je vais faire ceci »,
Vous devez mourir et pourrir à vos pensées, là. Laissez simplement le Saint-Esprit prendre le contrôle et faire ce qu'il veut de vous. Devenir une sorte de gâchis avec ça. Ça semble horrible, pas sacrilège, mais c'est la vérité. C'est le seul moyen que je connaisse pour faire ressortir cela, afin que vous le compreniez. Trouvez-moi un gâchis pire que ce groupe de juifs plein de dignité ce jour-là, que de voir ces gens qui étaient là à balbutier. Vous savez ce que c'est que balbutier? D'autres langues, et se conduisaient comme des gens ivres. C'est exactement ce qu'ils faisaient. Ils avaient l'air d'un beau gâchis. Et on a dit, ces hommes sont-ils tous pleins de vin doux? Mais l'un d'eux, après s'être un peu ressaisi, a dit, « Sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. » Mais il s'est référé à l'Écriture. « Ceci, c'est cela qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » C'est ainsi qu'est née l'Église au début. Combien croient que Dieu est infini? Alors, il ne peut pas changer. Et si c'était ça, sa conception de l'Église au commencement, c'est ce genre d'Église-là qu'il aura à la fin. Il ne peut pas changer. Alors, comment allez-vous substituer cela par une poignée de main, ou une aspersion, ou quelque chose d'autre qui ne s'était pas produit là-bas? Chacun des apôtres est simplement retourné à cela. Après qu'ils ont fait tout cela, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Pierre a dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous au commencement ?» Et il a ordonné qu'ils se fassent baptiser au nom du Seigneur Jésus. C'est vrai. Paul est allé là-bas et a trouvé des gens qui poussaient des cris et qui passaient du bon temps. Un groupe de baptistes qui glorifiaient Dieu. Il a dit, dans Acte 19, il a dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru ?» Ils ont dit, « Nous ne savons pas s'il y a un Saint-Esprit. » Il a dit, « Comment avez-vous été baptisés ?» Ils ont dit, « Nous avons été baptisés par le même homme qui a baptisé Jésus, Jean-Baptiste. » Il a dit, « Eh bien, ça ne marchera plus. » Voyez, Pierre avait scellé cela le jour de la Pentecôte. Il avait les clés. Voyez, il a dit, « Ça ne marchera plus. Vous devez vous faire rebaptiser. » Alors, il les a rebaptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il leur a imposé les mains et ils ont eu le même genre de résultat qu'eux avaient eu au commencement. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils se sont mis à parler en langue et à prophétiser. Maintenant, voilà comment l'Église a été tout au long des âges. Donc, cela a commencé ici même au commencement. Je connais ta persévérance, ta grande patience. Je sais que... Maintenant, souviens-toi, je suis celui qui marche au milieu des chandeliers. Je connais ta persévérance, tes œuvres, ton travail, ton amour, et ainsi de suite. Je sais tout ce que tu as fait. Et je sais que tu as éprouvé ces gens qui se disent prophètes, apôtres, et que tu les as trouvés menteurs. Oh, c'est vraiment direct, n'est-ce pas? Je n'en suis pas responsable, c'est lui. C'est lui qui a dit qu'ils étaient des menteurs. Mais la Bible a dit, éprouvez un homme. S'il y a parmi vous quelqu'un qui est spirituel ou prophète, ou qui prétend l'être, moi, le Seigneur, je me ferai connaître à lui. Je lui parlerai par des visions et des songes. Et si ce qu'il y arrive, alors écoutez-le. N'ayez pas peur de lui. Voyez, parce que je suis avec lui. Mais si cela n'arrive pas, alors ne l'écoutez pas. Il n'a pas ma parole. Voyez, si c'est sa parole, cela arrivera. Maintenant, ils ont trouvé que ces hommes ne se conduisaient pas selon la Bible. Voyez, ils essayaient d'obtenir quelque chose d'autre. Je veux que vous fassiez travailler vos ménages, alors que nous en arrivons à la pépite dans quelques instants. Bon, ensuite il a dit, je vois ce que tu as de la patience, de la persévérance et envers eux. Tu les as éprouvés et tu as trouvé qu'ils ne sont pas des apôtres. Ils ne le sont pas. Maintenant, comme je l'ai dit au début, avant que nous reprenions cela, chaque réveil produit des jumeaux. L'un est un homme spirituel, l'autre est un homme naturel, terrestre. J'ai adhéré à l'Église. Je suis aussi bon que n'importe qui.
C'est ce que ce réveil a produit. C'est ainsi pour chaque réveil. C'est ce que celui de Luther a produit. C'est ce que celui d'Irénée a produit. C'est ce que celui de Saint-Martin a produit. C'est ce que celui de Colomba a produit. C'est ce que celui de Wesley a produit. C'est ce que la Pentecôte a produit. C'est exactement cela. Vous voyez comment ils se sont dégradés? Ils ont bâti leurs églises, de grandes et belles bâtisses, et se sont continuellement éloignés. Et, oh miséricorde, ils se lèvent et récitent le credo des apôtres. Je crois à la Sainte Église catholique romaine et à la communion des saints. Toute personne qui croit à la communion des saints est un spirit. Tout ce qui communie avec les morts est du diable. C'est tout à fait vrai. Nous avons un seul médiateur entre Dieu et l'homme. C'est Jésus-Christ, l'homme. C'est vrai. C'est ce que Pierre a dit. Et vous, chers catholiques, vous l'appelez le premier pape. Pierre est le premier pape qui a marché avec Jésus. Et là, il a dit, il n'y a aucun autre médiateur entre Dieu et les hommes. Et aujourd'hui, vous en avez 10 000 autres. Pourquoi cela a-t-il tant changé, si l'Église est infaillible et qu'elle ne change pas? Et toutes vos messes sont dites en latin, pour qu'il n'y ait pas de changement. Qu'est-ce qui s'est passé? Où trouvez-vous le credo des apôtres dans la Bible? Si les apôtres avaient un credo, c'était « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés ». Je n'ai jamais entendu dire qu'ils connaissaient d'autres credos ou qu'ils aient déjà récité autre chose. Mais pour ce qui est des saintes églises romaines et de toutes ces autres choses et de Dieu le Père Tout-Puissant qui préserve les cieux et la terre, c'est une absurdité. Voyez, c'est vrai, ce n'est pas dans la Bible, ça n'existe pas dans les Écritures. C'est inventé, c'est un credo qu'ils ont inventé. Mais c'est toutes ces prières et tout ça, ce sont des choses inventées. Nous pouvons voir aujourd'hui que nos protestants, quand nous y arriverons, ont reproduit le même modèle. Et comme Billy Graham l'a dit dimanche, les gens ont tellement été dans l'erreur qu'ils pensent être dans le vrai, alors qu'ils sont dans l'erreur. C'est vrai, c'est la vérité. Je suis heureux d'être. Bien sûr, je sais que Billy Graham a reçu le Saint-Esprit sous George Jeffries là-bas. Mais un de ces jours, il sortira de là. Dieu l'utilise là-bas en ce moment, parce qu'il peut ébranler ce royaume dans lequel quelqu'un d'autre pourrait difficilement entrer. Mais vous pouvez voir par sa prédication qu'il y a quelque chose derrière cela, à cause de certains de ces baptistes donneurs de poignées de main. Oui, monsieur. Maintenant, je connais tes œuvres et ta persévérance. Je sais que tu ne peux... Voyons un peu. Là, j'ai l'heure. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Il les a trouvés menteurs. Comment les gens l'ont-ils su? Ils ne se conformaient pas à la parole. Eh bien, si un homme dit, cette Bible dit dans Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et cet homme dit, « Ah, les jours des miracles sont passés !» Alors cet homme est un menteur. Si la Bible dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés » et que partout dans la Bible, ça dit la même chose, et que tous ceux qui ont été baptisés du temps de la Bible ont été baptisés au nom de Jésus-Christ, mais lui, il leur ordonne d'être baptisé, aspergé ou quelque chose d'autre encore, cet homme-là est un menteur. Il sera trouvé un faux prophète. J'espère que je ne vous blesse pas, mais je... Frère, on ne peut pas présenter ceci avec des gants. Il est temps de les enlever et de manier l'Évangile. Voyez, c'est la vérité. Maintenant, montrez-moi le contraire. Montrez-moi où une personne a déjà été baptisée autrement qu'au nom de Jésus, voyez, en dehors de l'Église catholique. Si donc vous êtes baptisé de cette façon-là, vous n'êtes pas dans l'Église chrétienne, vous êtes dans l'Église catholique, puisque vous avez leur baptême, dans leur propre visiteur du dimanche. Il était posé cette question dans le catéchisme. Y aura-t-il des protestants qui seront sauvés? Ils ont répondu, beaucoup d'entre eux, parce qu'ils ont adopté notre baptême et bien des choses comme ça.
J'ai dit, ils prétendent croire la Bible. Et la Bible dit, baptisez au nom de Jésus-Christ. Et nous avons retranché cela pour le remplacer par Père, Fils et Saint-Esprit. Et les gens se sont soumis à cela. Certainement, voyez, ce n'est pas un baptême chrétien, c'est un baptême catholique. M'avez-vous entendu dire l'autre soir, avez-vous déjà été baptisé du baptême chrétien? Le baptême chrétien, Christ, Jésus-Christ, et non dans un titre quelconque. Bon, le verset 3, là. Très bien, les versets 2 et 3. Maintenant, le verset 3. « Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé à cause de mon nom. » Avez-vous remarqué qu'ils avaient de la persévérance? Ils ont souffert à cause de quoi? Son nom. Voyez-vous que ce nom demeure dans cette église? Maintenant, observez bien, au cours de la semaine, comment cela a été progressivement abandonné au profit d'un autre nom. Voyez? Que tu as de la persévérance, que tu as souffert et tout à cause de mon nom. Ils ont souffert à cause de son nom, pour garder le nom de Jésus-Christ au-dessus de toute église, au-dessus de toute autre chose, qu'il ait la première place. Quoi que, a dit la Bible, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus-Christ. Est-ce vrai? Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, si vous célébrez un mariage, le mariage de quelqu'un, si vous ne le pouvez pas, s'il y a de la confusion au sujet de leur mariage, ne les mariez pas du tout, voyez. Si vous ne pouvez pas dire librement, je vous déclare mari et femme au nom de Jésus-Christ, laissez ça tomber. Très bien. Si vous voulez les baptiser, baptisez-les au nom de Jésus. Si vous devez faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire au nom de Jésus, ne touchez pas à ça. Quelqu'un dit, « Prends un petit verre. » Vous ne pouvez pas faire ça au nom de Jésus, alors ne touchez pas à ça. Quelqu'un dit, « Joue un peu aux cartes. » Vous ne pouvez pas faire ça au nom de Jésus, alors ne touchez pas à ça. Une petite plaisanterie obscène à votre partie de bridge. Vous ne pouvez pas faire ça au nom de Jésus. Alors, ne touchez pas à ça. Voyez, vous ne pouvez pas porter des shorts au nom de Jésus. Alors, ne touchez pas à ça. Je pourrais continuer, mais nous, vous savez de quoi je parle. Très bien. Vous ne pouvez pas faire ça. Ce que vous ne pouvez pas faire en son nom, ne touchez pas à ça. En effet, il a dit, quoi que vous fassiez, en parole et en œuvre, faites tout au nom de Jésus-Christ. Très bien. Nous allons maintenant... C'est le « Il les a félicités pour cela ». Je vais maintenant parler du reproche, là, au chapitre 4, ou plutôt au verset 4. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Oh, j'ai quelque chose contre toi. Tu as eu de la persévérance, tu as tenu ferme à cause de mon nom. Ne serait-ce pas un bon sujet pour ce tabernacle aujourd'hui? Oui, monsieur, tu as bien agi, tu as montré beaucoup de persévérance et tu as supporté pendant longtemps. Mais ce qu'il y a, tu as tenu ferme à cause de mon nom. J'apprécie tout cela. Je te félicite pour cela, c'est très bien. J'ai vu que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et tout, et que tu les as trouvés menteurs. Ils ne se conforment pas à la parole. J'apprécie tout cela, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné cet amour que tu avais autrefois pour ces bonnes réunions du Saint-Esprit à l'ancienne mode. Et tu commences en quelque sorte à rétrograder et à glisser dans ce formalisme. Tu introduis notre Père. C'est une absurdité. Voyez, toutes ces choses sociales-là, que quelqu'un doit être vêtu d'une grande robe, vous savez, pour pouvoir chanter dans la chorale, vous savez, toute cette manucure dans leurs cheveux et tout, beaucoup de maquillage sur le visage, elles chantent comme je ne sais quoi. Ici, il n'y a pas longtemps, si cela n'avait pas été une réunion d'Oral Roberts, j'aurais certainement passé un savon à un de ces groupes-là.
J'étais à la convention des hommes d'affaires et elle avait lieu. On n'avait pas. C'est moi qui devais prêcher ce soir-là. On ne pouvait pas la tenir là-bas, à l'hôtel. Et ils m'ont amené à l'immeuble d'Oral Roberts. Pendant que j'étais assis dans le bureau d'Oral, il y avait un groupe de jeunes pentecôtistes, oh, de jeunes hommes et de jeunes femmes de 16, 17, 18 ans, qui étaient tous là-bas. Ils étaient une trentaine ou une quarantaine qui se préparaient à chanter une sorte de petit... Cela semblait être une sorte de prélude de quelqu'un dont Becky parle, de Tchaïkovski ou quelque chose de ce genre. Je ne sais pas, un des chants de ce genre, un chant classique. Ils étaient là. Les frères s'apprêtaient à prélever une offrande dans la salle de réunion. Et chacun de ces jeunes est allé chercher une petite coupe. Ils agissaient comme s'ils étaient aveugles, se conduisaient mal, garçons et filles, et faisaient des plaisanteries comme vous n'en avez jamais entendu. Ils parlaient sans retenue. Et ces filles avaient sur le visage suffisamment de peinture pour peindre presque tout l'immeuble d'Oral. Elles étaient là comme cela et prétendaient être des pentecôtistes. Elles ont perdu leur premier amour. Je suis certainement d'accord avec David Duplessis. Dieu n'a pas de petits-enfants. Non, monsieur. Nous avons des petits-enfants méthodistes. Nous avons des petits-enfants baptistes. Nous avons des petits-enfants pentecôtistes. Mais Dieu n'en a pas. Vous êtes des fils et des filles. Vous ne pourrez pas entrer sur la base des mérites de votre mère ou de votre père, qui, eux, étaient de braves hommes et femmes. Vous devez payer le même prix qu'eux ont payé. Vous devez naître exactement comme il en a été pour eux. Dieu n'a pas de petits-enfants du tout. Vous êtes un fils ou une fille, mais vous n'êtes pas un petit-fils, ça c'est sûr. Je suis allé à une réunion là-bas, et là, dans une bonne église, une assemblée de Pentecôte. Oh, vous auriez dû voir ces femmes se disperser lorsqu'elles m'ont vu entrer, avec leurs cheveux coupés courts, et ces femmes à moitié habillées, presque comme des saucisses de Francfort épluchées. Vous savez, dans ces robes-là, des femmes pentecôtistes qui mettent des vêtements si sexy. Vous aurez à répondre de cela au jour du jugement. Vous serez coupable d'avoir commis adultère, car Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et si vous vous présentez ainsi devant un homme, qui est coupable, vous ou l'homme? Comportez-vous correctement. Fuyez l'apparence même du mal. Voyez, alors voilà. Que peut-on bien y faire? Ils ont perdu leur premier amour. Oh, on ne pourrait pas les faire venir à un coin de rue avec un tambourin pour qu'ils tapent des mains et louent Dieu. Oh non, ils préféreraient chanter quelque chose de classique, vêtus d'un tas de vêtements. Voyez, ils ont perdu leur premier amour. C'est ce qui ne va pas dans la première église. Voyez, ils ne peuvent pas s'empêcher d'agir comme le monde. Il leur faut s'habiller comme le monde, ressembler au monde, agir comme le monde. Ils ont leur vedette préférée de la télévision, vous savez. Ils ne peuvent pas s'empêcher de la regarder. Nous aimons Suzy, ou quelque chose de ce genre, vous savez. Il leur faut absolument regarder cela. Au lieu d'aller à la réunion de prière et tout, ils préfèrent rester à la maison pour regarder cela. Sinon, ils passeront tout un savon à leur pasteur pour qu'il les laisse partir tôt, avant le début de cette émission, afin qu'ils aient le temps de rentrer à la maison pour la regarder. Aimons le monde plus que Dieu. Oh, trop de formalisme. Elles ne peuvent plus dire « Amen ». Bonté divine, ça pourrait abîmer leur maquillage. Voyez, ils ne l'ont plus. Voilà les pentecôtistes. Il ne s'agit pas des baptistes. Ils ne l'ont jamais eu pour commencer. Les presbytériens. Je parle des pentecôtistes. C'est vrai. Je sais que c'est vraiment dégoûtant, frère. Mais nous voulons qu'une naissance se produise à l'issue de ceci. Pour obtenir une naissance, il faut au préalable la mort. Voyez, voyez, c'est la vérité. Mais voilà, tu as abandonné ton premier amour. Si Dieu avait cela contre cette église-ci, il a cela contre celle-là aussi. Puisque tu as abandonné ton premier amour, c'est ce que j'ai contre toi. J'ai quelque chose contre toi. Voilà mon reproche. Autrefois, tu as eu des moments glorieux, mais tu as laissé le monde commencer à s'infiltrer et tu t'es mis à agir de manière un peu formaliste. Tu gardes encore mon nom
et tu fais encore ce qui est juste. Tu montres beaucoup de persévérance, c'est tout. Tu travailles, tu es comme un mulet. Tu travailles beaucoup et tu fais des œuvres. Oh là là, là là, là là. Voyez, vous avez abandonné la grâce, la foi et la puissance pour les échanger contre le travail et les œuvres. Eh bien, je vous le dis, frère Branham, j'aide toutes les veuves que je peux. Eh bien, c'est une bonne chose. Je vous félicite pour cela. Mais où est ce premier amour que vous aviez autrefois? Oui, oui. Où est cette joie que vous aviez dans le passé? Comme David s'est écrit une fois, « Oh Seigneur, rends-moi la joie de mon salut. » Où sont passées vos réunions de prière qui durent toute la nuit et les larmes sur vos joues? Oh miséricorde, la Bible est même poussiéreuse et elle est couverte de toiles d'araignée. Vous lisez des histoires d'amour, les nouvelles et tout, des choses qu'on ne devrait même pas permettre de publier, qui sont juste bonnes pour la poubelle. Et nous, les pentecôtistes, nous les prenons et nous fonçons là-dessus comme un essaim de mouche sur une poubelle. C'est vrai. Oh, miséricorde! Ce qu'il nous faut, c'est revenir à notre premier amour. Revenir à la Pentecôte. Oh, je ferais mieux de laisser cela de côté. Très bien. Mais vous comprenez, abandonner le premier amour. Le verset 4, le verset 5 maintenant. Un avertissement. Le verset 5, c'est un avertissement. Souviens-toi et repens-toi. Voyez, souviens-toi donc d'où tu es tombé. D'où es-tu venu? Tu es tombé de la Pentecôte au point où tu te trouves maintenant. Tu es rétrograde. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Retourne à la Pentecôte. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai le chandelier de S.A. Vous voyez de qui il s'agit, n'est-ce pas? Sa place, à moins que tu ne te repentes. Autrement dit, si vous avez un pasteur rempli de Dieu, rempli du Saint-Esprit, et que vous cherchez à le diriger en disant, « Eh bien, s'il dit quoi que ce soit au sujet des vêtements que porte notre chorale, s'il dit quoi que ce soit au sujet du maquillage que nous portons, nous l'excommunierons tout simplement. » Ne vous en faites pas, Dieu le fera avant que vous en ayez l'occasion. Il préférera aller prêcher aux pierres dans la rue que de faire des compromis avec ce genre de choses. Si vous avez un pasteur qui vous dit vraiment la vérité, vous devriez honorer Dieu, rester dans l'esprit et adorer Dieu, ayant pris conscience que vous serez perdu si vous ne le faites pas. Voyez? Mais les gens vivent aujourd'hui comme s'ils allaient, comme si c'était l'unique chose qui existe. Vivre ici sur la terre et c'est tout. Vous ne vous rendez pas compte que vous avez une âme qui quittera ce monde pour aller quelque part. Et vous scellez votre destination ici même. La façon dont vous vivez et la façon dont vous agissez. Vous êtes rancunier, méchant et tout. Puis, vous courez à l'église. Oh, miséricorde! Pfiou. Honte à vous! Vous jetez l'opprobre sur la cause de Christ. N'est-ce pas vrai? Ne le faisons-nous pas? Ce ne sont pas les contrebandiers d'alcool qui font du tort à l'Église. Ce n'est pas ça. Ce ne sont pas les prostituées qui font du tort à l'Église. Ce sont les gens qui professent être chrétiens qui font du tort à l'Église. Nous savons ce qu'est le contrebandier d'alcool et ce qu'est la prostituée. Quand nos sœurs s'habillent comme des prostituées, là, c'est différent. C'est ça qui fait du tort à l'Église. Quand un homme boit comme un contrebandier d'alcool, eh bien, c'est cela qui fait du tort à l'Église. Ils professent être chrétiens et ils font de telles choses. Les gens vous regardent. Ce nom, que celui qui prononce le nom de Jésus-Christ s'éloigne du péché. Voyez, éloignez-vous de ça. Oh, nous en sommes si loin, mes frères. Moi, vous, nous tous, nous sommes loin d'être ce que Christ veut que nous soyons. Et ici même, en ce jour, il est temps de mettre de côté tous les péchés qui nous enveloppent si facilement et de courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Prédicateur, c'est vrai, mes frères, c'est tout à fait vrai. Souviens-toi et repens-toi, sinon j'ôterai la lumière de l'étoile de sa place. Quelle est sa place? Dans l'Église. Mais si tu ne te repens pas et ne retournes pas au point où tu étais au début, je t'enlèverai ton pasteur et je l'ôterai de sa place. Je le placerai quelque part ailleurs où son,
où je ferai refléter ma lumière pour qu'elle brille. N'est-ce pas solennel, ça? Il est temps pour les églises de se repentir. Il est temps pour le pentecôtisme, doté de la chair bon nombre de ces petits érudits aux manières très raffinées, pour y placer des prédicateurs à l'ancienne mode, qui vous diront la vérité, qui ne seront pas là pour caresser tout le monde dans le sens du poil, se servir de l'église comme un gagne-pain, recevoir un gros salaire, ou quelque chose comme ça, et de la psychologie, et des courses de chevaux, des soupers où on sert de la soupe et tout. Il est temps de revenir à l'évangile. Peu m'importe combien vous êtes peu nombreux, là où deux ou trois sont assemblés, je serai au milieu d'eux. Repens-toi, sinon je viendrai et j'ôterai ton chandelier. Je l'éloignerai et l'enverrai ailleurs faire briller sa lumière. Maintenant, le verset 6. Bon, c'est ici que nous aurons du fil à retordre. Eh bien, à moins que tu te repentes, il viendra et on verra le pasteur ailleurs. Tu as pourtant ceci. Maintenant, souvenez-vous. Oh, ne manquez pas ceci maintenant. Voici ce qui reliera tout le reste, jusqu'à maintenant où nous, cet âge-ci, où nous vivons maintenant. D'abord, est-ce que tout le monde se sent bien? Êtes-vous pressé? Bon, très bien. Très bien. Faites donc preuve d'un peu de patience encore. Bon, merci. Tu as pourtant ceci. Il avait quelque chose alors, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qu'ils avaient? C'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Tu hais ces œuvres des Nicolaïtes. Aujourd'hui, pendant que j'étais assis dans mon bureau là, j'ai noté quelque chose ici à ce sujet. Je veux que vous écoutiez attentivement maintenant. C'est quelques pages plus loin, ici. Le verset 6, c'est l'éloge et l'approbation. C'est-à-dire Dieu et l'Église étaient d'accord sur une chose. Ils haïssaient les œuvres des Nicolaïtes. La vraie vigne, la vraie vigne, la vraie Église qui était dans cette Église d'Éphèse. Maintenant, souvenez-vous, chaque Église a des membres formalistes et chaque Église a des membres spirituels. Ce sont les jumeaux qui naissent au cours de chaque réveil et qui vivent dans chaque Église. Ils ont commencé dans cet âge-ci pour terminer leur course dans cet âge-ci. Finalement, le formalisme a pris le dessus dans l'âge de Thyatire. Et Luther l'en a fait sortir de nouveau. Maintenant, cela revient de plus belle. Pouvez-vous voir cette religion formaliste? Il n'y a aucune différence entre cela et le catholicisme. C'est du pareil au même. Toutes les organisations se font massacrer en y entrant. Dieu n'a jamais fait de son Église une organisation. C'est exactement ce qu'ils essayaient de faire ici. Observez et voyez maintenant si ce n'est pas vrai. Cela vous montre à quel point une organisation est maudite. C'était une chose étrangère à la nouvelle Église, l'Église du Nouveau Testament. Voyez? Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. La vraie vigne haïssait les œuvres formalistes des Nicolaïtes. Dieu aussi. Ce qui était des œuvres dans l'église d'Éphèse, dans l'église des Éphésiens, est devenu une doctrine dans l'église de Pergame. À Éphèse, la première église, c'était une œuvre. Dans l'église suivante, c'est devenu une doctrine. Entendez-vous ça? Comprenez-vous cela maintenant? C'était une œuvre à Éphèse. Et observez, ici, à Pergame, c'est devenu une doctrine. Cela avait commencé tout petit, ici. Bon, nous verrons dans un instant ce que c'était. Voici les loups dont Paul parlait, les œuvres des Nicolaïtes. Maintenant, décortiquons ce mot et voyons ce qu'il en est avant d'aller plus loin. Le mot « Nicolaïte » m'est un peu inconnu. J'ai consulté tous les lexiques grecs que j'ai pu trouver. Nicolaïte vient du mot Nikao. N-I-K-A-O. Attendez, je crois que je l'ai noté ici. N-I-K-A-O. Nikao. Qui signifie conquérir ou vaincre. Nicolaïte. Vaincre ou conquérir les laïcs. Ce qu'ils essayaient de faire ici, c'était de chercher à s'emparer de l'Église
où Dieu avait des pasteurs et où l'Esprit de Dieu agissait par des dons dans l'Église du Dieu vivant. Et là, ils jetaient les bases d'une doctrine selon laquelle il leur fallait des prêtres, des évêques, des papes et ainsi de suite. Dieu a dit qu'il haïssait cela. Aujourd'hui encore, il hait cela. Les Nicolaïtes, Nicao, vaincre, ou conquérir les laïcs. Les laïcs, c'est l'Église. Combien d'entre vous savent que les laïcs, c'est l'Église? Très bien. Vaincre, conquérir ou prendre la place des laïcs. Autrement dit, dépouiller l'Église de tout son côté sacré, de toute sa puissance, et attribuer cela aux prêtres. Laisser l'Assemblée vivre comme bon lui semble, mais seul le prêtre est celui qui est saint. Dépouiller du Saint-Esprit des gens qui ont des signes et des prodiges qui les accompagnent. Les en dépouiller et leur donner une sainte prêtrise. Les dépouiller du Saint-Esprit et le remplacer par une prêtrise. Vous voyez ce qu'il en était? C'était un. C'est finalement devenu, dans cette église-ci, c'était des œuvres. Et à cette étape-ci, c'est devenu une doctrine. Et à Thyatire, cela a pris le contrôle. Et quand Luther est sorti, ça ne pouvait pas rester comme ça. C'est revenu, et cela a de nouveau repris le contrôle. Des évêques, des cardinaux, des archevêques. Qui dans le monde est le chef de l'Église de Dieu, si ce n'est lui-même? Amen. Maintenant, je me sens religieux. Le Saint-Esprit a été envoyé pour diriger l'Église. Pas seulement le prédicateur, toute l'Assemblée. Pas seulement le prédicateur qui est saint, c'est l'Église tout entière qui a le Saint-Esprit. Et au lieu de cela, au lieu que ce soit l'Esprit qui dirige, ils prennent une petite hostie, un biscuit salé et du vin, et appellent cela la Sainte Eucharistie, ce qui signifie Saint-Esprit. Comment est-ce possible qu'un biscuit salé et un peu de vin soient en esprit? Maintenant, si l'on est ainsi, vous devez lire Acte 2 comme ceci. Le jour de la Pentecôte, un prêtre romain s'est présenté sur le chemin et il a dit « Tirez la langue !» Et il y a déposé l'hostie. Puis il a bu le vin et a dit « Maintenant, vous avez le Saint-Esprit. » Bon, là, nous trouvons ça terrible. Ça l'est. Bon, avançons. J'ai été ordonné dans l'église baptiste. Prenons notre cas, nous les baptistes, oui. Les méthodistes, que faisons-nous? Si tu confesses que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, tu es sauvé. Le diable croit qu'il est le Fils de Dieu, et cela le fait trembler. Il croit cela probablement plus que beaucoup de membres d'église. Le diable croit la même chose et il tremble, parce qu'il sait qu'il est condamné. Maintenant, nous prenons la version méthodiste. Ils disent que Jean ne baptisait pas, mais qu'il aspergeait. Ils disent qu'il y avait beaucoup de gaufres dans la région et l'eau montait de là-bas. Et il avait pris une coquille de moule et il avait dégagé un trou de gaufres. Et c'est effectivement ce qu'il prêche. Et il s'était servi de cette coquille de gaufres ou de cette coquille de moule pour puiser de l'eau de ce trou de gaufres et asperger les gens. C'est une absurdité. Oh, frère! Eh bien, voyons ce que ça donne. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Le pasteur est venu, a prêché un bon sermon et a dit « Donnez-moi la main d'association et nous inscrirons votre nom dans le registre. » Ça ne sonne pas juste, n'est-ce pas? Vous ne pourriez pas trouver ça dans un almanach. Ils ont plus de bon sens que ça. L'almanach des anniversaires des dames de l'âge d'or est plus exact que cela. Eh bien, qu'est-ce qui a donc causé cela? Les Nicolaïtes, qui ont introduit un groupe d'hommes pour tordre les Écritures et en faire une dénomination où Dieu ne peut pas agir. Elle meurt sur le champ. Et il a dit ici, tu es mort. Tu as un nom que tu fais vivre, mais tu es mort. Beaucoup d'entre eux sont morts et ne le savent pas. Moi et mon frère étions à la pêche quelque part par ici, quand nous étions de petits garçons. J'avais attrapé une vieille tortue serpentine et je lui ai coupé la tête. Je l'ai dégagée de la ligne.
Je ne voulais avoir rien à faire avec ça. Je l'ai jeté là, sur la rive. Mon petit frère est venu et il a dit, « Qu'as-tu attrapé tout à l'heure ?» J'ai dit, « Une tortue. » Il a dit, « Qu'est-ce que tu en as fait ?» J'ai dit, « Là-bas, elle gît là-bas. Et sa tête gît là-bas. » Et il est allé là-bas. Il a dit, « Est-elle morte ?» J'ai dit, « Bien sûr. Sa tête a été séparée de son corps. Elle doit être morte. » Il a donc ramassé un bâton et s'est mis à essayer de jeter la tête de cette tortue dans la rivière. Et quand, ou dans le ruisseau. Et à ce moment-là, cette vieille tortue a happé cela. Vous savez, elles peuvent encore mordre après une heure ou deux. Il a fait un bond arrière et a dit, « Hé, je croyais que tu avais dit, elle est morte. » J'ai dit, « Elle l'est. » Il a dit, « Eh bien, elle ne le sait pas. » Non. Or, c'est le cas de beaucoup de gens. Ils sont morts et ils ne le savent pas. Des Nicolaïtes. Oh là là. Oh, il a dit, « Tu es cela. » Y compris tous les braves et bons saints prêtres, le saint cardinal, le saint évêque, et vous, les pentecôtistes, que le grand surveillant se présente là, le surveillant général. Il vous dira si vous pouvez avoir la réunion de guérison ici ou non. Ah. Alléluia, c'est au Saint-Esprit de le dire ou non, la parole éternelle de Dieu. Eh bien, frère Branham, nous croyons que la Bible enseigne le baptême au nom de Jésus. Mais le surveillant général a dit que si nous faisons cela dans notre église, il nous mettrait tous à la porte. Allez-y, c'est vrai. Je préfère être mis à la porte ici que d'être mis à la porte là-haut. Alors, si vous retranchez quoi que ce soit d'ici, vous serez mis à la porte là-haut de toute façon. Alors, autant vous faire mettre à la porte ici. S'ils vous mettent à la porte ici, on vous acceptera à la porte là-bas. C'est donc la même chose. Alors, tenez-vous-en strictement à cela. Nous voulons être en ordre. Oh là là, c'est quelque chose de sérieux, frère. On doit mettre toutes ces choses en ordre. Nous ne pourrons jamais avoir une église tant que Dieu n'aura pas de fondement sur lequel l'établir. Il ne bâtira jamais son église sur un tas d'absurdités. Soit il vient sur la base de sa parole, soit il ne vient pas du tout. Uniquement sur la base de sa parole. Là-bas, il n'y a pas longtemps, quelqu'un a dit, « Frère Branham, venez à Chautauqua. » Combien étaient à Chautauqua? Eh bien, dites donc, un tiers de l'église ou plus était à Chautauqua. Ce qui, bon, cet homme s'est avancé là, cet après-midi-là. Et vous l'avez tous entendu, il ne savait pas que je le serais. Dieu peut révéler là-haut, dans la pièce, ce qu'on dit là, en bas. Et vous savez qu'il l'a déjà fait. Il est monté là et a dit, « Bon, frère Branham, oh, c'est un serviteur du Seigneur. Quand l'Esprit est sur lui, c'est un prophète loin. Il sait où il se tient. Dieu lui dit ce qui est et ce qui sera. Mais sa théologie, n'écoutez pas ça. Quelle confusion! Comment un homme peut-il dire ça? Eh bien, je n'ai pas. Eh bien, même si on manquait de bon sens, on saurait qu'il en est autrement. Comment peut-on même penser à une telle chose? Pourquoi? Car le mot « prophète » en soi signifie un révélateur divin de la parole. Comment peut-on? La parole du Seigneur vient au prophète. Je n'ai jamais dit que j'en étais un. Ce sont eux qui l'ont dit. Mais vous y voilà, voyez? Comment un homme, pour soutenir une petite doctrine d'église, parce que son organisation n'est pas d'accord avec cela, il vend son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Ésaü, misérable hypocrite. C'est vrai, vous vendez votre droit d'aînesse pour un plat de lentilles, pour un plat de dénomination, un plat d'organisation que Dieu est. Souvenez-vous, quand vous dites « organisation », Dieu est cela. C'est ce qui a séparé les frères et détruit. Ce soir, il y a beaucoup de méthodistes, de baptistes et de presbytériens qui aimeraient avoir de la communion autour de la table de Dieu. Mais s'ils le font, ils se feraient mettre à la porte dès l'instant qu'ils y auraient pris part. C'est tout à fait vrai. Maman en faisait partie. Et eux, ils ne sont que des petits-enfants au départ. Oh là là, peu m'importe de quoi maman a fait partie. Maman a vécu dans toute la lumière de son jour. Vous vivez dans un autre jour. Autrefois, il y a environ 300 ans, la science a prouvé en faisant tourner une balle autour d'un globe. Elle a dit,
Si jamais un véhicule atteignait la vitesse vertigineuse de 50 km à l'heure, la gravitation l'élèverait de la Terre et la ferait monter dans l'espace. Pensez-vous que la science croit cela aujourd'hui? Ils vont à 3000 km à l'heure. Ils ne regardent pas en arrière pour voir ce qui avait été dit. Ils regardent en arrière pour voir ce qui peut leur permettre d'aller de l'avant. Mais l'Église veut toujours regarder en arrière pour voir ce que Wesley a dit, ce que Moody a dit, ce que Sankey a dit. Tout est possible à celui qui croit. Regardons en avant. La seule chose dans la Bible qui regarde en arrière. Savez-vous quel genre d'animal regarde toujours en arrière? La forme de vie la moins évoluée qui existe. Combien connaissent la forme de vie la moins évoluée qui peut bouger? La grenouille. La grenouille est la forme de vie la moins évoluée qui existe. Et l'homme est la forme de vie la plus évoluée qui existe. Et la grenouille regarde en arrière. Je n'aime pas cette vie primitive. Je veux regarder vers l'avant, croire, faire confiance, marcher dans la lumière, puisqu'il est dans la lumière. Amen. Au fur et à mesure qu'il fait briller la lumière. Une fois, là-bas, au Kentucky, je tenais une réunion. Un vieil homme est venu et il a dit, « Oh, je ne crois pas à cette histoire de guérison. » Et j'ai dit, « Eh bien, c'est votre droit. Vous êtes américain. » Il a dit, « Je ne crois rien, à moins que je le voie. » Et j'ai dit, « Eh bien, c'est votre droit. » Il a dit, « Maintenant, je n'ai rien contre vous, mais je ne crois pas ce que vous dites. » J'ai dit, « C'est votre privilège en tant qu'Américain. Vous n'y êtes pas obligé. » Il a dit, « En fait, je n'accepte jamais rien à moins que je voie cela clairement. » J'ai dit, « Eh bien, maintenant, très bien. Vous devez être du Missouri. » Il a dit, « Non, je suis du Kentucky. » Ça ne donne pas une très bonne image du Kentucky, ai-je dit. Mais de toute façon, ai-je dit, si vous, c'est ce que vous pensez, allez de l'avant. Et il a dit, j'ai dit, comment allez-vous rentrer chez vous? Il a dit, je vais de l'autre côté de la colline. J'habite là-bas. Eh bien, venez avec moi. Un homme bien, il a dit, allons chez moi. Et passez-y la nuit, frère Branham. J'ai dit, je voudrais bien, mon frère. Mais j'ai dit, je vais là-bas, chez mon oncle. Et il a dit, j'ai dit, voulez-vous que je vous raccompagne en voiture? Il a dit, non, je dois passer par la colline qui est là-bas. J'emprunte ce chemin-ci, je traverse un vallon et je remonte. Vous savez comment c'est là-bas. Et j'ai dit, eh bien, et je dis, comment ferez-vous pour y arriver? Il a dit, je vais suivre ce sentier-là. Eh bien, et je dis, vous ne pouvez même pas voir votre main devant vous. J'ai dit, comment allez-vous faire pour vous rendre là-bas? Il a dit, j'ai une lanterne. Et j'ai dit, eh bien, comment allez-vous? Qu'allez-vous faire? Allumer cette lanterne et vous en servir pour marcher? Il a dit, oui, monsieur. J'ai dit, quand vous allumerez cette lanterne, pourrez-vous la tenir en haut comme ceci? J'aimerais voir votre maison. Il a dit, vous ne pouvez pas la voir. J'ai dit, alors, comment allez-vous faire pour y arriver? Oh, a-t-il dit, je vais juste allumer la lanterne. Et au fur et à mesure que je vais avancer, je vais simplement avancer au fur et à mesure que la lumière. J'ai dit, c'est exactement ça. Amen. Marchez simplement dans la lumière. Continuez simplement à marcher. Ne restez pas immobile. Vous n'arriverez jamais nulle part. Si vous avez été sauvé, avancez vers la sanctification. Vous dites, comment faire pour y arriver? Continuez simplement à marcher. Est-ce que le baptême du Saint-Esprit vient après la sanctification? Comment puis-je l'avoir? Continuez simplement à marcher dans la lumière. Est-ce que les signes, les prodiges et les miracles? Continuez simplement à marcher dans la lumière. Voyez? Continuez simplement à avancer. Chaque fois que vous ferez un pas, la lumière éclairera un peu plus loin devant vous, parce qu'il vous précède toujours. Il ne vous traîne pas de force. Il conduit. Il est la lumière. Oh, j'en suis si heureux, pas vous? Il est la lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Tu es les œuvres des Nicolaïtes. C'est devenu une doctrine. Maintenant, voyons ce que Paul... Eh bien, l'église de qui? Qui a donc fondé cette église? C'est Paul, à Éphèse. Prenons maintenant Actes, chapitre 20, juste un instant. Dans Actes, chapitre 20,
Voyons ce que Paul... Croyez-vous que Paul était un prophète? Bien sûr qu'il l'était. Il l'était certainement. Vous souvenez-vous de la vision cette nuit-là sur la mer déchaînée et tout? Bon, et tout à ce sujet. Maintenant, le chapitre 20 de Saint, de l'Exode, des Actes. Commençons donc à partir du verset 27. Écoutez attentivement alors que nous lisons. Bon, là, c'est Paul, un prophète, qui prédit ce qui arrivera. « Car je vous annonçais tout le conseil de Dieu en entier, sans en rien cacher. » Cet homme béni. « Oh, je veux me tenir là ce jour-là et voir la couronne de ce martyr être posée sur sa tête. S'il est possible de pleurer, alors je pleurerai. Je pousserai des cris en voyant Paul. Voir Paul, ce grand apôtre, sa robe éclatante de splendeur. Je suis sûr qu'il y aura des cris quand là-bas nous arriverons. Pas vous? Maintenant, je vous ai annoncé le conseil de Dieu en entier, sans rien cacher. Est-ce vrai? Maintenant, amis chrétiens, regardez par ici. Je veux vous demander quelque chose. Qui a ordonné aux gens qui avaient été baptisés autrement qu'au nom de Jésus-Christ de venir se faire rebaptiser? Il a prêché tout le conseil. Est-ce vrai? Oh! Et qu'a dit Paul dans... Je crois que c'était le... Je ne suis pas certain si c'est dans Thessaloniciens, chapitre 1, verset 8, que nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, quand un ange descendrait du ciel et annoncerait un autre évangile que celui-ci, que celui qui ordonne aux hommes de se faire baptiser de nouveau au nom de Jésus-Christ, est l'évangile que Paul a annoncé. Quand un ange du ciel, pas un, encore moins un évêque ou un cardinal ou un surveillant général ou un pasteur ou quelque chose, quand un ange descendrait du ciel et annoncerait un autre évangile que celui-ci, qu'il soit anathème. C'est vrai, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit. C'est Galates 1.8. Je viens tout juste d'y penser. Très bien, Galates 1.8. Si vous voulez le noter, voir ce que Paul a dit. Bon, ici, il dit le verset 27 maintenant. Je crois que c'est le verset 27. Car je vous ai annoncé le conseil de Dieu en entier, sans en rien cacher. Maintenant, écoutez ce que... C'est une prophétie. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel Saint-Esprit vous établit évêque pour paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Qui a fait l'acquisition? C'était le sang de qui? La Bible dit que c'était le sang de Dieu. Dieu par son propre sang. Est-ce vrai? Paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. La Bible dit que nous sommes sauvés par le sang de Dieu. Saviez-vous ça? Certainement. C'est ce qu'elle dit. Très bien. Le racheter par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous. Regardez bien, cet homme pouvait regarder au loin et voir venir la chose. Il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Des années plus tard, comme ils, ou un groupe d'hommes qui veulent créer une organisation et ôter tout le caractère sacré et le Saint-Esprit de l'Église et l'attribuer aux évêques, aux papes, aux prêtres, pour eux resteraient sains et l'Assemblée pourrait vivre comme bon leur semble. Puis ils paieront les prêtres pour qu'ils les fassent sortir de l'enfer par la prière et des choses semblables. C'est du nicolaïsme. Et Dieu a dit, « Je hais cela !» Maintenant, écoutez, laissez-moi voir. Vous dites, « Dieu a-t-il dit qu'il haïssait cela ?» Bon, voyons si c'est le cas. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Dieu hait l'organisation, pas vrai? Maintenant, vous voyez exactement ce qu'ils allaient faire. Vous voyez ce qu'ils ont fait. Maintenant, regardez bien tout au long de l'Église si cela n'a pas été fait.
Il est l'organisation. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bon, les loups dont Paul parlait étaient devenus des Nicolaïtes. Ils cherchaient à établir un sacerdoce, comme le sacerdoce lévitique, qui était étranger à la doctrine du Nouveau Testament. Amen. Le mot « nikao », le mot grec « nikao » signifie « conquérir »,« vaincre ». Vaincre quoi ? Les laïcs, le Saint-Esprit. En ôtant de l'Église le Seigneur Jésus ressuscité qui opère les signes et les prodiges parmi les croyants et les remplaçant par des hommes élus à la fonction de pape ou de charnel, de cardinal ou de surveillant général, cherchant à ôter le Saint-Esprit des laïcs pour l'attribuer à un ordre appelé le Saint-Ordre des hommes, qu'il placerait au-dessus des laïcs. Pas pour qu'on les appelle des pasteurs, ce qui signifie berger, mais père. Pourtant, Jésus a dit, n'appelez personne sur cette terre votre père. Voyez-vous cette mauvaise chose? Et qu'avons-nous fait? Oh, si on pouvait s'y attarder, j'aurais souhaité que nos soirées ne soient pas autant serrées. J'aimerais consacrer demain soir au chapitre 12 de l'Apocalypse, afin de vous montrer cette vieille femme prostituée qui est assise là-bas, l'impudique. Elle, la raison en était qu'elle s'était livrée à l'impudicité, à l'égard de Dieu, et qu'elle se faisait passer pour une veuve. Et elle était aussi la mère des prostituées. Est-ce vrai? Or, nous savons que c'était Rome, parce qu'elle était assise sur cette colline, et que tout concorde parfaitement. Un homme s'y trouve, et il est le nombre de la bête, et ainsi de suite. Nous savons tout ça. De qui il s'agit, d'après les enseignements précédents? Mais ce qui est triste, c'est qu'elle était la mère des prostituées. C'est ici même qu'elle a commencé, à Rome. Quand elle a commencé, c'était un groupe de chrétiens, de soi-disant chrétiens. Écoutez, ô Dieu, aide-moi à rendre cela clair. Un groupe de chrétiens dans une église comme celle-ci, ils sont devenus formalistes, indifférents, se sont retirés et ont formé une organisation. Puis, au cours de l'âge des ténèbres, ils ont uni cela à l'État. Alors l'État et l'Église sont devenus une seule quoi? L'Église chrétienne, qu'ils ont appelée la Sainte Église catholique. Le mot « catholique », c'est, ce mot signifie « universel ». La grande Église chrétienne universelle. Ils appelaient les gens qui parlaient en langue, et poussaient des cris, et guérissaient des malades, et ainsi de suite, des hérétiques. Et finalement, ils ont rendu la chose si contraignante que quiconque était surpris en train d'adorer comme cela était jeté dans la fosse aux lions, s'il refusait d'embrasser le catholicisme. Il en a été ainsi pendant les centaines d'années qu'a duré cette persécution. Mais cette église-là n'est jamais morte. On ne peut pas la tuer. Dieu a dit qu'elle vivrait jusqu'à la fin et qu'ensuite il lui donnerait une couronne de vie. Elle a survécu à tous ces âges de persécution. Ensuite est arrivé Martin Luther pour continuer l'âge. Et il a fait sortir l'Église par la justification. Que s'est-il passé quand Luther est mort? Ils ont organisé cela et en ont fait une Église luthérienne. Ils ont une doctrine. Quand ils ont organisé cela, qu'ont-ils fait? Ils ont de nouveau fait naître cela dans le romanisme. Tout à fait. Puis le Saint-Esprit a quitté cela. Et Wesley l'a vu. Et Wesley, et Whitfield, et George Whitfield, et beaucoup d'autres, et Asbury, et beaucoup d'entre eux étaient de grands revivalistes. Ils ont sauvé le monde à cette époque-là. Ils ont eu un réveil dans l'âge de Philadelphie, ce qui a sauvé l'Angleterre et les États-Unis aussi. Ils ont eu des réunions où ils ont été mis à la porte et on les appelait des exaltés. Vous, les méthodistes, c'est ce que vous faisiez. Ils tombaient par terre sous la puissance de Dieu et on leur jetait de l'eau sur le visage et les éventait. C'est vrai, et ça les secouait si vivement qu'ils avaient. On disait qu'ils avaient la tremblotte.
des gens étaient secoués et tremblaient sous la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est l'histoire des méthodistes. De là sont sortis les Quakers, et ainsi de suite. C'est au point qu'aujourd'hui, ils sont une organisation. Ils ont maintenant les méthodistes ceci, les méthodistes primitifs, les méthodistes de ce jour-ci, les méthodistes de ce jour-là. Ils sont descendus si bas que les méthodistes veulent ôter le sang de leur livre de cantiques. Ici, l'autre soir, au cours d'une émission de télévision, ma mère m'a appelé. Il y avait un pasteur méthodiste, ici même, dans l'Indiana, qui enseignait le rock'n'roll dans l'église. Il a dit, « C'est dommage que nous n'ayons pas veillé à ce que ce bel art soit joué dans l'église. » Ça, c'est le diable dans un faux prophète. C'est vrai. Je ne veux pas vous blesser, mes frères. C'est la vérité de Dieu. Je préfère vous mettre un peu en colère de cette façon pour vous amener à étudier les Écritures et peut-être vous mettre en règle avec Dieu plutôt que vous soyez perdu à la fin. Il se peut que vous ne m'aimiez pas maintenant, mais un jour, vous passerez vos bras autour de moi et direz, « Frère Branham, c'est la vérité. » Voici, c'est ici même, et c'est là qu'il se dirige. C'est là qu'il... C'est juste là. La Bible dit qu'il le ferait. Puis, de Wesley. Si Wesley a fait cela, alors sont venus les pentecôtistes, et ils ont obtenu la restauration des dons. Ils se sont mis à parler en langue, le baptême du Saint-Esprit, exactement comme un grain de maïs qui sort du sol. Tout d'abord, il pourrit. Il produit quelques pousses. Ensuite, il... Vous pensez avoir un champ de maïs. Cette pousse croît et produit une aigrette. Cette première pousse, c'était les luthériens. L'aigrette, c'était quoi? Les méthodistes. Le pollen, l'amour fraternel, l'évangélisation. Le pollen se répand chez les autres. Eh bien, même la nature témoigne de ces âges de l'Église. Les méthodistes sont sortis du chaos. Ou, je veux dire, les luthériens sont sortis du chaos. Les méthodistes ont répandu leur amour fraternel à l'époque de l'évangélisation et à l'époque des missionnaires. L'époque missionnaire la plus glorieuse que le monde ait jamais connue, c'était celle des méthodistes. C'est vrai, leur pollen s'est répandu. Qu'est-ce que cela a produit? De ce pollen est sorti un épi de maïs, les pentecôtistes. Un grain, exactement ce qui avait été semé. Pas une feuille, pas une aigrette, mais un grain. Et maintenant, les pentecôtistes ont entièrement recouvert ce grain de champignons, au point que on ne peut pratiquement plus voir le grain. Il est temps de tout nettoyer. Amen. Qu'ont-ils fait? Ils ont fait la même chose que les méthodistes. Quelqu'un en a organisé un groupe et a dit, « Nous sommes les assemblées de Dieu. » L'autre, nous sommes les pentecôtistes de la sainteté. Un autre, nous sommes les unitaires. Nous sommes les binitaires. Et il y a tant de ceux-ci et tant des autres. Oh là là! À dos d'un chameau, à une bosse, deux bosses, trois bosses et tout. Oh, il y a 60, 30 ou 40 organisations différentes. Qu'ont-ils fait? Ils l'ont replongé directement dans le romanisme, en se faisant baptiser du baptême de l'Église catholique romaine. Je demande à tout pentecôtiste de me montrer où quelqu'un dans la Bible a été baptisé au nom de Père, Fils et Saint-Esprit. Je demande à tout évêque, cardinal, à tout docteur de me montrer où cela a jamais été fait en dehors de l'Église catholique. C'est Luther qui est sorti avec cela. Il est sorti de là avec le catéchisme et tout le reste. Les méthodistes ont continué avec cela. Vous, les pentecôtistes, vous devriez avoir honte. Faites le ménage. Revenez à la parole. Repentez-vous, sinon Dieu ôtera le chandelier du milieu de vous, la lumière que vous avez reçue. Amen. Très bien. Ils ont le Saint-Esprit en tant que conducteur, leur donne un saint ordre d'homme et les place au-dessus des laïcs. Ils ne les appellent pas pasteurs, bergers. Nous sommes censés être appelés pasteurs, bergers. C'est ce que signifie le mot pasteur. Mais père, cardinal, archevêque ou surveillant général, les véritables croyants haïssaient cela. Dieu leur a donné son approbation et a dit, « Moi aussi, je hais cela. »
parce que c'est lui qui est censé être le surveillant général. L'archevêque est le pape. Il travaille avec chaque individu, pas avec l'organisation, mais une personne. Bon, c'est étrange. Écoutez, alors que nous terminons bientôt, il ne nous reste plus qu'un verset. Nous avons là le dogme qui est à l'origine du catholicisme, la succession apostolique. Combien savent cela, apostolique? Eh bien, les catholiques disent que le pape est le successeur de Pierre aujourd'hui. C'est la succession apostolique. Pareille chose n'existe pas. Comment votre désir charnel, votre désir sexuel, comment se fait-il qu'Ésaü et Jacob soient tous deux nés d'un père pieux et d'une mère pieuse, et que l'un d'eux soit un chrétien et l'autre un démon? Oui, comment est-ce possible? C'est parce que le péché, c'est le péché, et le sexe, c'est le sexe. Mais c'est Dieu qui donne la naissance. Dieu nous a choisis depuis la création du monde. Saviez-vous cela? Attendez que l'on commencera à lire ces récits historiques et observez comment Irénée, comment il a loué Dieu de l'avoir choisi avant la création du monde. Comment Saint Martin et tous les autres lui donnaient la louange. Ils louaient Dieu. On disait, en effet, ceux qui parlaient de lui disaient, il avait été choisi avant la création du monde. C'est l'Écriture. Ses frères étaient alignés avec Dieu. Mais cette vieille église ténébreuse a traversé ses 1500 ans de l'âge des ténèbres. Elle a tout encrassé comme une lampe qui fume et a masqué les lumières. Mais vers le soir, la lumière paraîtra, a dit le Seigneur. Une succession apostolique, l'un après l'autre, un pape. Et il fallait être de la lignée des papes pour pouvoir être pape. Oh là 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 là, c'est une absurdité. Les laïcs, pas les saints et les justes, mais les, et que les prêtres prient pour eux et les délivrent de leurs péchés, pardonnent leurs péchés, leur fassent payer de l'argent pour la confession. Les protestants font la même chose. Ils cherchent à être, ils passent la main dans le dos de leur pasteur et vivent comme le reste du monde. Et ils n'en savent pas plus sur Dieu qu'ils... Il leur permet de rester dans son église et les appelle des membres de son église. Il leur permet d'y rester et leur dit qu'ils sont sauvés. Comme ils seront déçus ce jour-là s'ils ne sont pas nés de nouveau. Sans le Saint-Esprit, vous êtes perdus. Personne ne peut dire « Jésus est le Christ » si ce n'est par le Saint-Esprit. La vraie Église, à Éphèse, n'a pas été séduite par ses discours intellectuels et raffinés. Ils haïssaient cela. Ils n'ont pas été séduits. Ils le savaient. La vraie Église ne l'a pas été. Cette fausse révélation qu'avaient ces hommes appelés les Nicolaïtes et qui ne concordaient pas avec la parole de Dieu. Dites-moi où vous avez déjà vu cette Bible enseigner qu'un prêtre doit avoir un confessionnal. Où avez-vous déjà vu cette Bible enseigner que c'est par l'aspersion qu'on obtient le pardon des péchés? Où avez-vous déjà vu quelqu'un être baptisé au nom de Père, Fils et Saint-Esprit pour le pardon de ses péchés? Où avez-vous vu qu'il faut donner la main d'association et inscrire son nom sur le registre de l'Église dans la Bible? Où avez-vous déjà vu toutes ces choses? Qu'est-ce que c'est? C'est un sacerdoce ou un clergé qui n'est pas en ordre avec la parole. Ce sont donc des Nicolaïtes. Et Dieu a dit, je les hais. Revenez à la parole. Oh, je sais que c'est fort, frère. Mais je ne suis pas responsable. C'est Jésus, c'est à lui que vous devez vous en prendre. Une fausse révélation non conforme à la parole. Mais on les a appelés menteurs, faux apôtres, faux prophètes. Mais la vraie Église s'en tenait à l'enseignement originel de Paul et au baptême du Saint-Esprit, avec des signes qui accompagnaient et qui confirmaient la parole que Paul enseignait. Amen. Montrez-moi où Dieu confirmera jamais l'aspersion,
montrez-moi où Dieu confirmera et accordera le parler en langue et les grandes choses, juste en serrant la main du pasteur quelque part et en inscrivant votre nom sur un registre. Que t'on continue de chiquer, de fumer, de boire, de mentir, de jouer aux cartes, de se divertir un peu, d'aller. Oh, miséricorde! C'est charnel, ce sont des faux prophètes, mes amis. Oui, monsieur. La voix de Dieu, c'est la sainteté. Que cela soit connu de tous les membres du corps de Christ ici. Tant que vous ne vivez pas une vie pieuse, Dieu refuse votre sacrifice. Le sacrifice doit être offert par des mains pures. C'est vrai, le souverain sacrificateur, avant même qu'il puisse entrer pour offrir le sacrifice. Il lui fallait être saint et consacré, oint, parfumé et tout, avant même qu'il puisse marcher dans la présence de Dieu pour offrir le sacrifice. Est-ce vrai? Alors, comment pouvez-vous sortir d'ici et tricher, voler, faire des histoires, avoir des différends avec vos voisins et tout, vous conduire comme vous le faites, et ensuite venir dire « Oh Seigneur Dieu, gloire à Jésus, Alléluia !» Les gens disent « Je les vois parler en langue ». Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont le Saint-Esprit. Je les entends pousser des cris. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une vie. La Bible dit « La pluie tombe souvent sur la terre pour la préparer, pour qu'elle produise ce pourquoi elle est cultivée. » Hébreux 6. Mais les épines et les chardons, c'est ce qui est prêt d'être réprouvé. Et on finit par y mettre le feu. Le soleil brille sur les justes et sur les injustes. La pluie tombe sur les justes et sur les injustes. La pluie vient pour faire croître le blé, comme on dit. Et aussi toutes les mauvaises herbes qui sont dans le champ. Si le blé a soif, alors la mauvaise herbe a soif. La même pluie qui abreuve le blé abreuve les mauvaises herbes aussi. Le pauvre petit blé redressera la tête et criera « Loué soit le Seigneur! Alléluia! Alléluia! Je suis si heureux de recevoir cette pluie !» La pauvre petite mauvaise herbe criera « Gloire à Dieu! Loué soit Dieu! Alléluia! Je suis heureuse de la recevoir !» Mais c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est vrai, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Le verset 7, puis nous allons terminer. C'est le dernier verset pour cet âge de l'Église. Maintenant, nous aurons environ 5 ou 10 minutes de retard, juste un instant. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Maintenant, regardez, les amis. Voici la manière de vaincre. Vous devez d'abord vaincre, ensuite vous pouvez manger le fruit. C'est le vainqueur. Vous vous souvenez de l'autre soir, de notre enseignement d'hier soir? Jean a dû entrer dans l'esprit avant de voir quoi que ce soit. Et comment serez-vous là à dire, s'il n'est pas baptiste, je ne l'écouterai pas. S'il n'est pas presbytérien, je ne l'écouterai pas. S'il n'enseigne pas exactement ce que mon Église enseigne, je... Vous n'allez pas vaincre. Vous n'êtes pas encore entré dans l'esprit. Vous n'êtes pas du tout en ordre. Entrez dans l'esprit. Dites, Seigneur Jésus, je t'aime. Maintenant, révèle-moi tout ce que tu jugeras bon. Accorde-le-moi. Alors vous êtes bien aligné là. C'est vrai. Remarquez, la Bible parle de l'arbre de vie 3 fois dans la Genèse et 3 fois dans le livre de l'Apocalypse. Nous avons vu ça l'autre jour. Vous vous souvenez? Hier, dimanche, le diable est toute l'écriture qui existe, d'un bout à l'autre. Mais il est davantage la Genèse et l'Apocalypse. Il attaque la Genèse et remet en cause son authenticité, parce qu'il veut faire croire aux gens qu'il n'en était pas ainsi. La Genèse ne s'est pas déroulée exactement comme Dieu l'a dit. C'est quelque chose d'autre qui était à l'origine de la création et tout. C'est ainsi qu'il l'attaque. Et il éloigne les gens de l'Apocalypse parce qu'elle révèle. Jésus est Dieu et lui, il est le diable. Et il est condamné. Aussi la gloire de l'Église sanctifiée qui retourne à la maison auprès de Dieu. Et la condamnation du faux prophète. Et que tous ceux qui mentent,
et se conduisent mal seront jetés dans l'étang de feu. Ce n'est pas étonnant qu'ils les en tiennent éloignés. Mais rappelez-vous, ces deux livres parlent de l'arbre de vie dans le paradis. Bon, voyons ceci juste un instant, là, cet arbre. Jean chapitre 6, si vous voulez le noter. Jésus a dit, « Je suis le pain de vie ». Maintenant, souvenez-vous, nous allons maintenant utiliser ces deux poteaux-ci comme des symboles. Alors, juste avant de terminer, là, à ma droite, c'est l'arbre du jardin qu'on appelle l'arbre de vie. À ma gauche, c'est l'arbre du jardin qu'on appelle l'arbre de la connaissance. Combien savent que la Bible dit qu'il y a l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance? Or, l'homme était censé vivre par cet arbre de vie et ne pas toucher à l'arbre de la connaissance. Est-ce vrai? Et la première fois qu'il l'a touché, il s'est séparé de son Créateur. Il a perdu sa communion avec Dieu quand il a pris sa première bouchée de connaissance. Bon, réfléchissez bien maintenant. Et vous qui prenez des notes, je vais vous donner du temps pour que vous puissiez comprendre cela, parce que je ne veux pas que vous le manquiez. Jésus, dans Jean 6, il buvait à une source, et là, il levait les mains et se moquait, disant que leur père avait bu au rocher spirituel et tout. Il leur a dit, « Je suis ce rocher qui était dans le désert. » Et ils ont dit, « Tu dis ici que tu étais avant Abraham, pourtant tu es un homme qui n'a pas plus de 50 ans, et tu dis que tu as vu Abraham. Nous savons maintenant que tu es fou, tu es un démon. » Voyez, il a dit, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » « Je suis » était dans le buisson avec Moïse, le buisson ardent. « Je suis » avant qu'Abraham fût, « je suis », pas « j'étais ». Maintenant, vous qui dites que les jours des miracles sont passés, vous devriez faire dire à cette écriture, « j'étais le grand j'étais ». Voyez, pas « j'étais » ou « je serai ». « Je suis », c'est-à-dire en tout temps, il est éternel. Le mot « je suis » exprime ce qui est éternel, de tout âge, de tout temps, au milieu des sept chandeliers d'or, dans chaque église, en tout lieu, dans chaque cœur. Je suis, pas j'étais ou je serai. Je suis maintenant même comme j'ai toujours été. Voyez, toujours je suis. Ils ont dit, non Père, nous ne te connaissons pas. Nous savons que tu es un démon. Ils ont dit, « Nos pères ont mangé la manne dans le désert pendant 40 ans. » Et Jésus a dit, « Et ils sont tous morts. » Pas vrai? Ils sont tous morts. Mais je, oh, je suis le pain de vie de Dieu qui descend du ciel. Si un pain de vie, si quelqu'un mange ce pain, il ne mourra jamais. Cet homme donnera-t-il son corps à manger, ont-ils dit? Eh bien, il est fou, c'est certain. Le pain de vie provenait de l'arbre de vie dont il se nourrissait dans le jardin d'Éden. Il était l'arbre de vie. Maintenant, si l'arbre de vie était une personne, alors l'arbre de la connaissance était une personne. Dites maintenant que le serpent n'avait pas de semence. Si la vie est venue par l'homme, la mort est venue par la femme. Très bien, elle était l'arbre de la mort. Dès que celui-ci l'avait souillé, et c'est ce qu'il avait fait, le serpent, elle a dit, « Le serpent m'a séduite ». C'est vrai, pas un reptile. Il était le plus rusé de tous les animaux. Il était entre le chimpanzé et l'homme. La semence d'un animal ne peut pas féconder une femme. Ça ne le peut pas, mais cet être en était capable. Il était le chaînon le plus proche. Et Dieu a prononcé une malédiction sur lui, à tel point que cela l'a fait ramper sur son ventre, plus de jambes. Cela a atteint chacun de ses os et les a transformés en quelque chose qui n'a aucun rapport avec l'homme. La science essaye de faire des fouilles dans les champs pour retrouver cela. C'est caché dans les mystères de Dieu, au milieu du paradis de Dieu. Voilà votre révélation. Elle a enfanté son premier fils, qui était Caïn. Est-ce vrai? Le fils de Satan.
le fils de Satan. Si ce n'est pas le cas, d'où serait venu ce mal? D'Adam, qui était le fils de Dieu? C'est venu du diable, son père. Et il a assassiné. Le premier meurtrier était le diable, le fils du diable. Observez ce qui s'est passé après ça. Observez la lignée de Caïn. Tout au long de la génération qui a suivi, après Caïn, ils étaient tous des scientifiques et de grands hommes. Lisez la Bible. Ils construisaient des maisons, ils travaillaient le métal, et ils étaient des scientifiques. Mais tous ceux qui descendaient de Seth, en fait, Abel était mort. C'était un type de Jésus, il était mort. Abel était mort, et Seth l'avait remplacé. La mort, l'ensevelissement, la résurrection. De lui sont venus d'humbles paysans. C'est de lui que sont sortis des bergers. Or, Jésus a dit, « Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont tous morts. Mais je suis ce pain de vie. » Quel pain de vie? Celui qui était en Éden. Et si quelqu'un mange de ce pain, il ne mourra jamais. Bon, Dieu a mis un ange près de cet arbre de vie pour le garder, afin que personne n'y touche, de peur qu'il mange de cet arbre et vive pour toujours. Est-ce vrai? En effet, il devait continuer avec cet arbre et mourir. Est-ce vrai? En fait, tant qu'il se nourrirait de cela, il mourrait. Et aussi sûr que vous mourrez parce que vous mangez de cet arbre de la connaissance. Bon, examinons cet arbre de la connaissance maintenant. Regardez ce qu'il a produit. Maintenant, voyons ce qu'il a produit. Tout d'abord, voyons voir, examinons une chose qu'il... Cela a permis d'inventer la poudre à canon. Ça tue nos camarades, c'est vrai. On s'entretue avec de la poudre à canon qui résulte de l'arbre de la connaissance. La chose suivante que nous avons faite, voyons voir. Nous avons inventé l'automobile par cet arbre de la connaissance. Cela tue plus que la poudre à canon. Oh oui. Maintenant, nous avons la bombe à hydrogène. Dieu ne détruit rien. L'homme se détruit lui-même par sa connaissance. Mais tout ce qui appartient à Dieu, Dieu le ressuscitera. Dieu ne perd rien. Jésus l'a dit, c'est vrai. Celui qui mange de ce pain a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Voilà sa promesse. Maintenant, Dieu, ils sont bien en avance. Ils se nourrissent de l'arbre de la connaissance et on meurt. Mais si jamais il parvenait à atteindre cet arbre-ci, il vivrait pour toujours. Alors maintenant, au lieu d'avoir un ange là-bas pour éloigner les gens de cet arbre, ils sont là à les conduire vers cet arbre. Les anges des églises, les sept églises, ils les ramènent au nom de Jésus-Christ, puisque c'est lui l'arbre de vie qui se trouve dans le paradis de Dieu. Oh là là, j'espère que vous saisissez ça. L'arbre de vie qui se trouve dans le paradis de Dieu, afin que vous puissiez devenir participants de lui et devenir des fils et des filles de Dieu et vivre pour toujours. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne viendra jamais en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Frères, sœurs, maintenant j'ai été tranchant, je vous ai blessé. Je ne voulais pas le faire de cette façon, voyez. Dieu le sait. Mais il fallait que j'aborde cela de cette façon pour que vous puissiez voir où nous en sommes. Je ne crois pas qu'il nous reste encore beaucoup de temps ici. Je n'essaie pas de dire que vous n'êtes pas chrétien parce que vous faites partie d'une organisation. Ce n'est pas ça. Les gens sont victimes des circonstances. Ils ne savent pas quoi faire. Tout ce que leurs parents ont toujours fait, c'est d'adhérer à l'Église et tout. Mais frère, une chose avant que nous terminions. Permettez-moi de donner une dernière citation. Le prophète a dit, croyez-vous les prophètes? La Bible dit de les écouter. Le prophète a dit, il viendrait un temps où il n'y aurait ni jour ni nuit, mais ce serait en quelque sorte un jour sombre. Mais vers le soir, juste avant le coucher du soleil, la lumière paraîtra. Est-ce vrai? Bon, regardez ce qu'on a eu.
Maintenant, regardons un peu. Comment le soleil? Où est-ce que le soleil se lève géographiquement? À l'est, est-ce vrai? Il se couche à l'ouest. J'aurais aimé avoir. J'apporterai la carte demain soir et je vous le montrerai. Depuis que le Saint-Esprit est descendu à Jérusalem, il a parfaitement formé le chiffre 8 dans son parcours. Il est monté jusqu'en Irlande, a fait le tour complet en décrivant un cercle et s'est dirigé vers la côte ouest. Puis il retourne de nouveau. Le trajet de l'Évangile a parfaitement formé le chiffre 8. Eh bien, la civilisation a parcouru le même trajet que le soleil. Combien savent ça? On vous l'a enseigné et vous le savez. La plus ancienne civilisation qui soit, c'est la Chine. De là, elle est allée directement en Orient. Et quand le Saint-Esprit, pas le S-O-L-E-I-L, mais le F-I-L-S, quand le soleil, le S-O-L-E-I-L, se met à briller à travers le brouillard et la brume de la nuit, peu importe où se trouve la semence, elle vivra. Puisque toute vie botanique vit grâce au soleil. Nous savons ça. Vous pourriez couler du béton directement sur un brin d'herbe. Et le printemps suivant, où est-ce que l'herbe sera le plus dense? Tout juste au bord du béton. Pourquoi? C'est cette vie qui était là-dessous. Vous ne pouvez pas cacher la vraie vie. Cette petite vie, dès qu'elle sait que le soleil luit quelque part, elle peut se frayer un chemin sur une distance de presque un demi-pâté de maison, se faufilant sous ce béton jusqu'à ce qu'elle puisse sortir la tête dehors et se mettre à louer Dieu. Vous ne pouvez pas cacher la vie, c'est vrai, la vie. Quand vous êtes né de nouveau, vous ne pouvez pas cacher cela. Quelque chose doit crier quand vous avez la vie. Donc, tout ce qui est mort, là, les petites semences qui ont éclaté, la pulpe s'est vidée, elle est morte, mais la vie y est encore. Eh bien, quand le soleil commence à briller au printemps, de petites fleurs vont pousser, et tout va de nouveau redresser la tête. De dessous les débris, de dessous les souches, de dessous les pierres, cela va ressurgir et revivre. Est-ce vrai? Parce que le S-O-L-E-I-L brille. Bon, un jour, le F-I-L-S brillera, lui qui est l'auteur de la vie éternelle. Et tout ce qui a été fécondé par lui pour la vie éternelle, il a dit, je le ressusciterai au dernier jour. Vous voyez ce que je veux dire? La vie éternelle sera ressuscitée dans les derniers jours. Si on vous ensevelit dans la mer, ou si on vous incinère et répand vos cendres aux quatre vents de la terre, Dieu vous ressuscitera au dernier jour. Si vous devez remplir le ventre d'un lion affamé ou entrer dans une fosse enflammée qui dévorera tous les 16 éléments du pétrole et les lumières cosmiques et tout ce qui est en vous, Dieu vous ressuscitera. Les cheveux même de votre tête sont comptés. Amen. Dieu les ressuscitera. Bon, regardez bien. Eh bien, si les hommes meurent par la femme, alors ils vivent par l'homme. Si vous avez part avec la femme à ce genre de vie, vous savez que vous allez mourir. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Vous allez mourir. Et aussi sûr que vous prenez part à ceci, vous vivrez. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Vous devez vivre. Amen. Si cela produit certainement la mort, ceci produit certainement la vie. C'est la seule façon de recevoir cela, c'est d'avoir la vie. Maintenant, le prophète a dit, « Vers le soir, la lumière paraîtra. » Maintenant, regardez, il a dit qu'il y aurait un jour qui sera sombre, qui ne serait appelé ni jour ni nuit. C'est un jour en quelque sorte nuageux, brumeux et froid. Et pourtant, le Fils donne la lumière. Loin, au-dessus de ces brouillards et de ces nuages et tout, le Fils donne la lumière. Il donne suffisamment de lumière pour que vous puissiez marcher et voir comment vous déplacer et tout. Et pourtant, ce n'est pas une belle journée ensoleillée, voyez. Bon, presque rien ne peut vivre en ce jour-là. Si vous plantez quelque chose là où le soleil ne brille pas, cela n'arrivera pas à maturité, n'est-ce pas? Vous, les fermiers, vous savez cela.
Mettez le maïs à l'ombre ou quelque part comme ça et observez. Ça l'empêche d'arriver à maturité. Fred, tu devrais savoir ça en observant ton blé. Si tu le plantes là-bas et que tu as un mauvais été, oh, si c'est froid et pluvieux, ça l'empêche d'arriver à maturité. Eh bien, c'est ce qui ne va pas avec l'Église tout au long des âges. Elle n'est pas arrivée à maturité. Les dénominations l'ont empêchée d'arriver à maturité. Inscrivez votre nom dans le registre. Nous avons eu assez de lumière pour savoir qu'il y a un Dieu. Je suis heureux. Nous avons eu assez de lumière pour savoir qu'il y a un Christ, qu'il y a un jugement à venir. Nous avons eu la lumière. Alors, nous avons inscrit nos noms dans des registres. Nous avons serré la main du pasteur et tout, et avons fait ces choses. Très bien, mais là, nous sommes vers le soir. Or, la civilisation est allée de l'est à l'ouest. Et maintenant, nous sommes sur la côte ouest. On ne peut pas aller plus loin. Si on traverse, on retourne à l'est. On ne peut pas aller plus loin. On est sur la côte ouest. Maintenant, la Bible dit, vers le soir, la lumière paraîtra. Bon, quel genre de soleil brille vers le soir? Est-ce un soleil différent de celui qui se lève le matin? C'est le même soleil. Est-ce vrai? Eh bien, alors, qu'est-ce que Dieu a promis? Maintenant, nous allons en arriver là. Retenez bien ceci. Jusqu'à cet âge-ci, c'est la Bible qui le dit. Je vais le prouver au sujet de ces âges de l'Église, au fur et à mesure que nous avançons, que, vers le soir, une lumière paraîtrait à l'ouest, et elle ramènerait de nouveau le soleil de justice avec la guérison sous ses ailes. Et les mêmes signes, les mêmes prodiges qui ont été faits là-bas dans l'est seront faits ici dans l'ouest, avec une nouvelle effusion du Saint-Esprit dans les derniers jours. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Le sentier de la gloire, là tu le trouveras. C'est dans cette voie de l'eau qu'est la lumière d'aujourd'hui, ensevelie dans le précieux nom de Jésus. Jeunes et vieux, repentez-vous de tous vos péchés. Le Saint-Esprit viendra sûrement vous. Les lumières du soir sont venues. Oui, c'est un fait que Dieu et Christ sont un. Oh, au temps du soir, la lumière paraîtra. Le sentier de la gloire, là, tu le trouveras. C'est dans cette voie de l'eau qu'est la lumière d'aujourd'hui, ensevelie dans le précieux nom de Jésus. Jeunes et vieux, repentez-vous de tous vos péchés. Le Saint-Esprit viendra sûrement en vous. Ces lumières du soir sont venues. C'est la même chose que Pierre a dit. Sachez donc que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Que chacun de vous se repente, a-t-il dit, et soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Laissez-moi vous dire quelque chose. Comme je le disais l'autre jour, au sujet de l'ordonnance du médecin. Les gens n'aiment pas prendre l'ordonnance du médecin. S'il a un médicament qui va guérir votre maladie et que vous refusez de le prendre, ce n'est pas la faute du médecin si vous mourrez. Non, monsieur, c'est votre faute, parce que vous avez refusé de le prendre. Et maintenant, si le médecin rédige une ordonnance et que vous la portez chez un pharmacien charlatan et qu'il y ajoute quelque chose qui n'aurait pas dû s'y trouver, ça vous tuerait aussi, est-ce vrai? Ce médecin a étudié la chose, au point qu'il sait que cette ordonnance contient une certaine dose de poison pour tuer ces microbes qui sont dans votre corps et qu'il y a assez d'antidote là-dedans pour contrecarrer le poison afin qu'il ne vous tue pas. Et cela doit être bien dosé. Si vous mettez trop d'antidote, ça n'aidera pas le malade. Mettre trop de poison va le tuer. Il faut que ce soit équilibré. La question était, n'y a-t-il pas de baume en Galade? N'y a-t-il pas de médecin là-bas? A dit le prophète. Alors, pourquoi la maladie de ma fille n'est-elle pas guérie? Qu'est-ce qui ne va pas avec l'Église? Qu'est-ce qui ne va pas pour que nous ayons trop de vieilles églises malades? C'est parce que nous avons des pharmaciens charlatans qui exécutent mal l'ordonnance. C'est vrai, il n'a jamais dit « Père, Fils, Saint-Esprit ». Qu'est-ce que l'ordonnance dit? Voici Pierre.
Combien savent qu'il avait les clés du royaume? Jésus l'a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Autrement dit, c'est lui qui a le stylo à encre pour rédiger l'ordonnance. Lorsqu'ils ont entendu tout ce bruit au dehors, ils criaient, poussaient des cris, parlaient en langue et passaient de bons moments. Ils ont dit, « Ces hommes sont pleins de vin doux. » Pierre a dit, « Ces gens ne sont pas pleins de vin doux, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. » Mais c'est ici ce qui était dit par le prophète Joël. « Dans les derniers jours, a dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, et sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répondrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans les cieux et en bas sur la terre, du feu, de la fumée et de la vapeur. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur ne sera pas, sera sauvé. » En outre, il a parlé de David. Il a dit, le patriarche David l'avait vu d'avance. Il avait dit, « Et ma chair reposera avec espérance, car il n'abandonnera pas mon âme dans le séjour des morts, et ne permettra pas que son sein voie la corruption. » Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort et qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Voyez, mais comme il était prophète, il a vu la résurrection de Christ. Sachez donc que ce Jésus que vous avez crucifié par la main des impies, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Après avoir entendu ce discours, ils ont eu le cœur vivement touché et ils ont dit, « Homme frère » ou « Docteur Simon-Pierre, rédige l'ordonnance pour nous. Comment pouvons-nous obtenir ceci? Nous voulons un médicament contre le péché. » Oh, maintenant, regardez ce qu'il a dit. Là, vous verrez où ces églises ont fait fausse route. Il a dit, « Attendez un instant, je vais vous rédiger une ordonnance, et ce sera une ordonnance éternelle. Elle sera pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Qu'est-ce qu'il a dit? Comment l'a-t-il rédigé? De la façon dont les catholiques l'exécutent? De la façon dont les baptistes l'exécutent? De la façon dont les méthodistes l'exécutent? Chacun d'entre eux y a ajouté quelque chose, ou en a retranché quelque chose. À la manière des pentecôtistes, ils ont ajouté ou retranché. Mais qu'a-t-il dit? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, une ordonnance éternelle. C'est pour vous et pour vos enfants. Elle demeurera tout au long de chaque âge de l'Église. Administrez cela à chacun d'eux. Ô Dieu, purifie mes mains, purifie mon cœur, Seigneur. Puisse, si cela me coûte tous mes amis, laisse-moi exécuter l'ordonnance comme le médecin a recommandé de l'exécuter. C'est pour ça que vous avez tant d'églises mortes, tant de membres morts. Vous y ajoutez de l'antidote et vous en retranchez tellement que l'ordonnance n'est plus du tout la même. Cela ne guérira rien du tout. Les poignées de main, l'adhésion aux églises, l'aspersion, ô miséricorde, ça, ce n'est pas l'ordonnance, c'est la mort. Si vous voulez la vie et que vous voulez le Saint-Esprit, suivez ce que Dieu a dit de faire. Prenez l'ordonnance, c'est-à-dire exactement comme il l'a dit. N'y ajoutez rien et n'en retranchez rien. Et voici que l'Apocalypse vient dire par la suite, si quelqu'un en retranche ou y ajoute quelque chose, il, sa part, sera retranché du livre de vie. Oh là là, ça, c'est le médecin-chef. Oh, je l'aime, pas vous? Oh, ce glorieux âge, cet âge d'Éphèse, c'est là que cette hérésie a commencé à s'infiltrer pour donner lieu à des organisations. Les pasteurs et les diacres, ou pas les diacres, mais les pasteurs, pas les pasteurs, mais les cardinaux, les évêques, les papes, les surveillants de l'Église, qui disent au Saint-Esprit, qui disent à l'Église, « Eh bien, vous ne pouvez pas faire cela ici. » Après tout, qui est le patron? Une fois, cela est arrivé à Pierre. On lui a dit, « Tu ne dois plus prêcher au nom de Jésus. Tu peux prêcher si tu veux, mais pas au nom de Jésus. » Oh, le diable est ce nom. Pierre a dit, « Est-il convenable que je... » La Bible a dit, « Pierre étant rempli de... » La dénomination? Oh, hein! Du Saint-Esprit. Il a dit,
Attendez, je vais aller voir le surveillant général pour voir ce qu'il me dira de faire à ce sujet. Laissez-moi vous dire, saviez-vous que les assemblées de Dieu ont un psychiatre qui les évalue, qu'ils doivent amener leur missionnaire chez un psychiatre pour voir si cet homme est mentalement apte à être un missionnaire? Les assemblées pentecôtistes de Dieu, combien ont déjà entendu ça? Bien sûr, c'est connu de tous. Tout le monde le sait, certainement. Qui doit examiner le missionnaire et en être le juge? Le psychiatre ou le Saint-Esprit? Voyez, c'est ce que vous obtenez quand vous vous fiez à l'homme. Voyez, les théories faites de main d'homme, des doctrines faites de main d'homme. Attendez qu'on arrive à l'âge pentecôtiste. Dieu brûlera cette chose, c'est sûr et certain. Oui, monsieur, oh oui. Et vous verrez que le feu consumera tout cela. Oui, tout à fait. Mais un jour glorieux, il viendra. Et souvenez-vous, écoutez, il y a sept âges de l'Église. Est-ce vrai? Il y a sept âges de l'Église. Et souvenez-vous, quand elles sont allées à la rencontre de l'épouse, de l'époux, certaines se sont endormies à la première veille. Est-ce vrai? La deuxième veille. Bien sûr, pas morte, endormie. Troisième veille, quatrième veille, cinquième veille, sixième veille, et dans la septième veille.